Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Mettez les likes, partagez, on ne va pas tarder à commencer. D'accord? Alors, nous avons Rosa qui dit Shamsedine, adolescent de 15 ans, passé à tabac jeudi à la sortie de son collège de Vitry-Châtillon, est décédé ce vendredi des suites de ses blessures, suscitant une vive émotion. Merci beaucoup de rappeler les faits parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Rosa nous dit aussi que quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat ce dimanche soir, après le décès de Shamsedine, une jeune fille de 15 ans est mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Exactement. Merci infiniment. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, hein, donc on va introduire un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous donner mon avis, mais je vais aussi beaucoup me concentrer sur le cas de cette jeune fille âgée de 15 ans. Et je précise bien 15 ans parce que j'ai eu la possibilité de dialoguer avec beaucoup d'entre vous par le biais d'Instagram. Et en fait, j'ai l'impression un peu qu'on a tendance à oublier le fait que on parle d'une jeune fille de 15 ans. OK? On parle d'une adolescente de 15 ans. S'il vous plaît, ça, ne l'oubliez pas. Donc, vous mettez des likes. On attend un petit peu. Ça fait 2 minutes que le live il a commencé, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et ensuite, on va commencer. Bien sûr, vous aurez la possibilité par la suite de monter afin de donner votre avis ou de partager votre analyse aussi sur le cas qui s'est passé avec malheureusement ce jeune adolescent de 15 ans qui est décédé. D'accord? Donc, les modératrices, je vous demande s'il vous plaît de faire très attention. N'hésitez pas à bloquer tous les personnes qui sont là pour perturber parce qu'en fait, clairement, on n'est pas là pour faire du n'importe quoi. Voilà. On a la possibilité régulièrement de se rassembler. Ça se passe généralement bien. On espère aussi que ça pourra bien se passer ce soir. Je précise qu'il n'y aura uniquement que les femmes qui auront la possibilité de s'exprimer sur ce live. Donc, comme à son habitude, hein, mais je le précise parce que je sais que il s'agit d'une thématique ou d'un sujet qui peut intéresser beaucoup de gens et qu'il y a des gens qui vont avoir envie de s'exprimer, mais non, je conserve vraiment un panel qui est féminin parce que vous l'avez bien compris à la miniature, donc il est temps d'ouvrir le dialogue avec vos petites sœurs. Et donc, on va parler de l'éducation, des conseils à donner aux petites jeunes filles, etc., qui aujourd'hui vivent dans un monde qui est peut-être différent d'une autre, de ce que l'on a pu connaître à l'époque lorsque nous avions 15 ans. Et il est important d'encadrer. On a encore parlé il y a de cela une semaine sur l'encadrement des jeunes filles afro quand on avait parlé de Léa. Là, aujourd'hui, il s'agit d'une jeune fille de 15 ans. Et donc, voilà, il faut aussi parler de l'accompagnement des jeunes filles. Et de par le contexte que l'on exprime régulièrement ici, bah, on a totalement conscience que c'est quelque chose que les mamans ne peuvent pas vraiment faire. Elles n'auront pas cet tact, elles n'auront pas cette manière-là de procéder, cette douceur parfois, même si ça ne veut rien dire, on peut être une sœur et être aussi très agressive dans la manière, dans son approche. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas mieux que des filles comme nous, capables d'entamer un dialogue avec des jeunes filles qui peuvent parfois se poser des questions, qui peuvent commencer à avoir envie de fréquenter un garçon ou des garçons, et il faut absolument qu'elles puissent recevoir des conseils, être encadrées afin de pouvoir se protéger au maximum. D'accord? Donc c'est vraiment là où on va se concentrer, même si on va quand même développer, je vais donner mon avis sur ce qui s'est passé. Donc vous mettez les likes, vous partagez. Flobé dit, elle a 15 ans, elle va encore au collège. Tous les jours, elle fait le même trajet. Donna dans la cité se fait discrète, elle s'efface juste la petite sœur de ses grands frères, Donna Wallen 2024. OK. Ah, OK, la musique de la chanteuse Wallen. OK. Flo, Donna, il ne faut pas grandir trop vite. Bah, il faut donner des conseils, c'est important. Oui, c'est une chanson, j'avais pas capté au départ, mais t'inquiète pas, j'ai eu la possibilité de comprendre par la suite. Donc, vous mettez les likes, vous partagez, c'est le dernier jour du Ramadan, donc félicitations à toutes les filles de confession musulmane qui ont eu à pratiquer le Ramadan. C'est passé quand même assez vite. Donc, j'espère que voilà, vous êtes contente de tous les efforts que vous avez pu mettre en place pour ce Ramadan-là. Donc, demain, c'est l'Aïd. Bonne fête à vous en avance. OK?
Flobé dit, ça résume trop la situation. Peut-être. Malheureusement, force est de constater que la violence est beaucoup plus présente chez les populations afro-arabo-musulmanes que chez les populations européennes dites de souche. C'est faux. C'est totalement faux. La violence, elle est partout. Il y a de cela encore même quelques mois, et c'est pas si loin que ça. Il y avait par exemple un monsieur qui a commis un crime sur sa femme et qui s'est donné par la suite la mort devant le tribunal, en fait. La violence, elle est partout. D'accord? Maintenant, c'est qu'on a eu pas mal d'événements concernant des jeunes adolescents, 14, 15 ans, qui se sont enchaînés, on va dire, ces derniers jours. Et on se dit, non, là, il y a un problème. Même si la violence, elle a toujours été présente, d'accord? Mais là, c'est un enchaînement aussi de problèmes qui concernent, en fait, des jeunes adolescents qui se sont multipliés, qui ont fait que, voilà, on en parle aujourd'hui, ce soir, OK? Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir en parler. Franchement, j'ai longuement hésité, mais je me suis dit, pourquoi pas, OK? Alors, Ous dit, les fachos en com arrivent. Oh bah, attends, on va bloquer les commentaires uniquement pour les personnes qui sont abonnées. La violence n'a pas de couleur. Exactement, merci beaucoup. La violence n'a absolument pas de couleur. D'accord. Nous avons 107 likés, nous sommes 146, je devrais en avoir au minimum 130. Alors, on dit, la mermaid dit la violence est partout, mais j'ai le sentiment qu'elle est quand même prédominante chez nous. Peut-être oui, mais après, moi pour moi, la violence, elle est vraiment partout. Après, nous, ça peut s'expliquer. Encore une fois, il faudra faire un live spécialement par rapport à ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de violence, etc. On en a déjà discuté auparavant dans des lives. Il n'y a jamais eu une thématique qui parlait spécialement de ça, mais on a déjà eu la possibilité d'en parler. On parlait notamment de l'éducation, de l'environnement des familles afro, etc., qui avait énormément d'incidence dans la vie du quotidien et même en dehors de la sphère familiale, que ce soit à l'école, dans la rue et tout. Voilà. Donc, le live, en tout cas, pour les commentaires, ça restera uniquement disponible, accessible pour les personnes qui sont abonnées. Comme ça, au moins, on va rester entre nous. On sait que ça va plutôt bien se passer. Je sais qu'il y a certains profils dont je sais qu'elles ont l'habitude de faire preuve de virulence. Je vais vous demander de faire très attention à ce que vous allez dire ce soir. D'accord? Donc, calmez-vous, s'il vous plaît, parce que cette thématique, mine de rien, j'estime qu'elle est plutôt intéressante. Et de toute manière, vous savez l'avalanche de commentaires que j'ai eu en DM lorsque j'ai exposé le problème. Donc, ça signifie que c'est un problème qui vous intéresse. Maintenant, on commence tôt. Je vous l'ai dit, les lives désormais vont commencer tôt. Donc, on a commencé à pratiquement, ouais, 19h50, il est 20h. OK? Donc, bonsoir à celles qui viennent de nous rejoindre. Écoutez, le live de ce soir, on va parler justement de l'affaire Shamseddine. Et on va aussi parler de comment est-ce qu'il est important d'ouvrir un dialogue avec des jeunes filles afin de pouvoir communiquer avec elles sur les garçons, sur les rapports intimes, etc. Il faut que les petites filles soient éduquées. Il y a des filles d'une génération qui n'ont pas bénéficié de ça. C'était pas possible. De toute manière, avec la mentalité et l'éducation des parents, maintenant la nouvelle génération des jeunes femmes que nous sommes, nous avons la possibilité, dans le cas où nous avons des petites sœurs ou des cousines, de les encadrer, de les conseiller, de communiquer avec elles, de créer une atmosphère de confiance afin que dans le cas où il se passe quelque chose, elles puissent venir nous en parler. C'est très important. D'accord? Donc, l'affaire Shamseddine, c'est que, comme l'a indiqué Rosa au départ, pour celle qui était là depuis le départ, il y a un jeune adolescent de 15 ans
qui malheureusement a été assassinée par une bande de garçons. Dans cette bande de garçons, donc, ils étaient quatre, et dont deux frères. Alors, les raisons est que le jeune garçon Shamseddin avait une relation avec la sœur des deux garçons, donc un jeune homme de 17 ans et un jeune homme de 20 ans. En fait, ils communiquaient plutôt par texto. Et ils ont découvert des textos dans lesquels ils avaient des échanges un peu olé-olé, on va dire. Et donc, de là, ils ont décidé d'aller vers ce jeune garçon pour lui mettre une pression, pour le contraindre d'arrêter de dialoguer avec sa sœur, sauf que ça s'est très, très mal passé. Et au final, bah, Shamseddin a perdu la vie le lendemain, après s'être fait taper par ces quatre personnes, en l'occurrence les deux frères de la jeune fille en question. Je précise que c'est même l'aîné des frères qui a appelé les urgences, parce qu'il a constaté, malgré le fait qu'il a participé, qu'ils étaient partis trop loin et que le Shamseddin n'était pas bien. Donc, il est décédé d'un traumatisme crânien. OK ? Donc, il a dû recevoir un coup très fatal à la tête. Et il sortait du collège quand ça s'est passé. Donc, une situation qui est déplorable. Aujourd'hui, il y a toute une famille qui, malheureusement, est en deuil juste par rapport à des garçons qui n'ont pas su maintenir, en tout cas, contrôler leurs émotions. Et tenter, bah voilà, d'ouvrir plutôt le dialogue avec un jeune garçon de 15 ans. Au lieu, bah, de ça, ils ont décidé d'agir avec de la violence, violence physique plutôt. Donc vraiment, pour le coup, qu'il repose en paix, comme vous le dites dans les commentaires, c'est très important. Alors, comme justificatif, il s'avère que les deux frères ont tout simplement indiqué que voilà, ils l'ont fait pour l'honneur de la famille, etc. Donc, on dit désormais dans les médias qu'il s'agit d'un crime d'honneur. Bon, moi, je dis plutôt crime de lâcheté, mais bon, vous voyez un petit peu les codes, etc. Vous comprenez de par le terme même de crime d'honneur, les codes des garçons en question qui ont agi avec lâcheté. Moi, pour moi, c'est un crime de lâcheté, tout simplement. Crime d'honneur, pourquoi ? Parce que voilà, la réputation de la famille a préservé, la réputation de la fille aussi a préservé. Et donc, on comprend, au-delà même du fait d'avoir eu des informations directement de là où se passait ce problème-là, qu'il y a toute une mentalité un peu ghetto, une mentalité un peu de la rue, une mentalité un peu street qui a fait que les frères agissent de la sorte. Et on en parle régulièrement de cette mentalité, raison pour laquelle il y a eu des lives dans lesquels on a encouragé davantage des femmes se retrouvant à vivre dans certaines zones et surtout ayant des fils. Pourquoi est-ce qu'il était important de sortir de ces environnements-là ? À cause des codes, à cause de la mauvaise influence, à cause d'un patriarcat malheureusement médiocre qui est présent et qui influence énormément les jeunes qui y vivent. Et là, on se retrouve avec des garçons mineurs, bah, qui vont être incarcérés, et le majeur, bien sûr, qui, bah, lui, ce sera pire parce qu'il est majeur. D'accord ? Tout ça, ce sera pris en compte. Maintenant, on va parler de réputation. D'accord, on va parler de réputation, on va parler notamment de rapports intimes chez les adolescentes, etc. et tout. Il faut savoir qu'on vit dans un monde aujourd'hui dans lequel les jeunes, les plus jeunes en tout cas, parce que nous sommes jeunes, mais les plus jeunes, les adolescents, etc., ont accès à des choses, ont un esprit qui est plus différent que le nôtre. De par l'éducation qu'on a reçue, eux ont reçu parfois la même éducation. Des fois, il y a un peu plus de laxisme parce que c'est une génération quand même en dessous qui les éduque. Il faut savoir qu'on vit aussi dans un environnement en Occident où bah, les mentalités, elles sont différentes de là où est-ce que parfois nos parents viennent, qu'ils soient d'origine africaine, subsaharienne, ce que vous voulez. Et ça fait que bah, aujourd'hui, de plus en plus tôt, ben, y a des jeunes qui s'intéressent aux rapports intimes. Il y a des jeunes qui ont aussi de plus en plus tôt des rapports intimes. Ça fait partie, malheureusement ou heureusement, dépendamment de la mentalité de chacun, de la réalité aujourd'hui. Et en tant que fille noire et en tant que grande, eh bien, il va falloir qu'une génération de jeunes femmes puisse conseiller, guider, accompagner cette jeune génération.
Et il va falloir faire une éducation sur les rapports intimes. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce que quand on n'a pas reçu d'éducation sur les rapports intimes, parce qu'il y a toute cette culture liée au tabou, etc., les parents qui ne communiquent pas vraiment avec nous, même l'éducation que l'on apprend aux jeunes à l'école, au collège, etc., c'est vraiment pas poussé, c'est pas très développé, ce qui fait que bon, bah, les jeunes sont un petit peu perdus. Et principalement les jeunes de chez nous, les jeunes filles noires, elles sont vachement perdues. Et bah, malheureux, des fois, elles peuvent se retrouver dans des situations où bah, elles apprennent à l'âge de l'adolescence. Et ce qui fait partie de la vie, hein, qui est tout à fait normal. Quand on est adolescent, qu'on devient une femme, même les garçons, quand ils deviennent un petit peu des hommes, ils sont en train de grandir, il y a les hormones, on s'intéresse à un garçon, on s'intéresse à une fille, on commence à communiquer, etc. Et bah, des fois, de par le fait de ne pas avoir vraiment été guidé, bah, on peut se lancer dans des discussions un petit peu olé-olé. En soi, ça fait partie aujourd'hui de la génération, je veux dire, à un moment donné. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je tolère qu'une jeune fille de 15 ans ait des rapports intimes. Si, c'est que mon avis, je trouve que c'est assez tôt. Mais à un moment donné, il va falloir faire preuve, enfin arrêter de faire preuve d'hypocrisie. Quand on parle de réputation, parce que, je l'ai dit, même on a eu un live il n'y a pas longtemps, on a parlé notamment du cas de Léa, j'ai développé ce point-là, je l'avais déjà développé avant, c'est que la réputation de la famille chez les Africains, malheureusement, passe par la fille uniquement. Quand je dis uniquement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence. On règle sur le plan de l'éducation, les garçons et les filles ne sont pas éduqués de la même manière. Alors, qu'ils ne soient pas éduqués de la même manière, c'est un peu normal dans la mesure où bah, un garçon, on ne va pas l'éduquer comme une fille, mais on part du principe où seule la fille est la garante de l'éducation, de la réputation d'une famille. Et c'est la raison pour laquelle les femmes ainsi que les hommes sont à cheval sur l'éducation de la fille et imposent des limites, des règles strictes et font le nécessaire pour que les filles s'y soumettent afin d'être sûres de se protéger soi-même. Beaucoup de gens dans les réseaux en DM et tout m'ont parlé de oui, parce qu'il y a l'islam, etc. Il y a aussi, je pense que vous avez été beaucoup influencé par l'intervention de la jeune femme Mila qui est passée dernièrement sur RMC, qui a une communication avec, comment elle s'appelle, la journaliste là. Et en fait, vous avez, je pense, ingurgité, intériorisé ces paroles. Or que cette fille, je suis désolée, mais dans certaines choses qu'elle a dites, c'est totalement faux. C'est totalement faux, s'il vous plaît. Merci, Eliane. Mettez les likes. C'est faux, pourquoi? Parce que je l'ai indiqué dans le live de Léa, si vous vous en souvenez, je vous ai indiqué que les parents, la famille, quand ils pensent à la réputation de la fille, ils ne pensent pas à la religion. Pour les parents africains, la chose la plus importante, c'est le clan, le groupe. Se maintenir au sein de leur clan, au sein de leur groupe, c'est la chose qui est la plus importante pour eux. Le statut qu'ils vont avoir dans le groupe auquel ils appartiennent est très important. Quand une fille se retrouve à avoir une réputation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que, attendez, une réputation, et même au-delà même de la réputation, quand on entend qu'une fille fréquente un garçon étant jeune, ça ternit sa réputation. Et ça influence négativement au sein du groupe les parents. On va considérer que la maman est une femme qui n'a pas bien éduqué sa fille. On va considérer que le père n'a pas fait son travail d'autorité, et c'est la raison pour laquelle sa fille, elle est partie un petit peu en sucette. Au niveau des garçons, et là, pour le coup, je vais vraiment développer. La raison pour laquelle ils l'ont fait, ce n'est pas pour des raisons religieuses ou même pour la réputation de leurs parents. Si ils ont fait cet acte-là, ils ont commis cet acte-là, ils ont fait ça pour leur propre réputation. Les garçons, de par leur profil et de par leurs antécédents, parce qu'eux aussi ont des antécédents avec la justice, mais dans les communautés africaines, qu'un garçon se retrouve à avoir affaire avec la police, se retrouve à avoir des affaires en justice, c'est quelque chose qui va moins agacer que la fille. Parce que quand ils disent réputation, honneur de la famille, c'est que toi-même, tu fais le nécessaire pour avoir un comportement qui est adéquat et qui ne va pas entacher la réputation de ta famille.
Or, on regarde le casier judiciaire des deux frères. Il s'avère qu'ils ont un casier judiciaire qui est assez rempli. Et je me permets de vous rappeler qu'il y a un mineur de 17 ans qui, lui aussi, a un casier judiciaire. Donc, j'aimerais en fait qu'on me dise de quelle réputation on me parle. Donc, ils sont connus des services. En 2023, celui de 17 ans, alors, il a été connu pour des faits de violence en réunion, extorsion et vol aggravé par deux circonstances. Pour le frère, en février 2023, il est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention de stupéfiants. Donc, ce sont des garçons qui ont, on comprend, des activités souterraines de par le fait d'être un dealer, etc., extorsion. C'est des voyous. Il faut dire la vérité, appelons un chat un chat. Les frères de cette jeune fille sont des voyous. Il faut savoir que le voyou, ses activités se passent généralement au sein de son environnement. Donc là où il a vécu, c'est là où ça se passe. En tout cas, c'est là où est-ce qu'il commence. Et les activités se passant là où ils vivent, c'est qu'ils doivent, au cas où ils souhaitent gravir les échelons, ils souhaitent grimper au niveau de la hiérarchie. Ils doivent s'imposer et faire preuve de virilité, de masculinité. Il faut savoir que la représentation de la masculinité dans les quartiers populaires, elle est très négative, elle est toxique. Tu es considéré comme étant un homme et d'ailleurs tu es valorisé, tu es glorifié. Et de toute façon, le garçon noir ou le garçon d'origine maghrébine, mais là on va se concentrer sur les garçons noirs, bah forcément c'est non pas que son environnement qui fait ça, c'est aussi ce qu'il va écouter, ce qu'il va regarder. Voilà, ils sont vraiment dans une bulle. On leur fait comprendre que pour être un homme, tu seras considéré comme étant un homme fort, dépendamment de ta capacité à défier l'autorité. L'autorité, ça passe par les institutions, ça passe par la police, ça passe par le fait de contourner certaines règles, de défier aussi les lois. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont être capables de déterminer ou pas s'ils sont considérés comme étant des garçons forts, des garçons virils. Bien évidemment, nous qui sommes des femmes avec un minimum de jugeote, on comprend très bien que ce n'est pas la définition de la virilité pour nous. Mais dans les codes de ces garçons-là, de par l'environnement dans lequel ils évoluent, c'est comme ça qu'on va considérer qu'ils sont virils par rapport à la capacité à défier l'autorité, la capacité à tout simplement à contourner en fait certaines règles. Voilà. Et pour s'imposer, parce que même dans ces environnements-là, la compétition masculine existe, eh bien, leur réputation ne doit pas être entachée. Quand tu es un garçon et que tu as des affaires comme ça et tout, voilà, t'es sur le terrain, on va dire. Et le fait que l'on sache que ta sœur fait des choses, que ta sœur parle à telle personne, ça vient entacher ta réputation et la réputation de ta sœur vient en quelque sorte t'émasculer. Tu peux être très vite exposé à des moqueries, très vite exposé à de des humiliations, à ce genre de choses qui fait que, justement, ce qui fait que ça va être très compliqué pour toi et tu ne seras pas pris au sérieux. Donc, dans le cas où tu es dans une phase où tu souhaites asseoir ton pouvoir et avoir un certain contrôle, ta réputation, tu ne peux pas être dans une position dans laquelle, en fait, on va tout simplement t'humilier. Et l'humiliation passe beaucoup, la plupart du temps, dans ces environnements-là. Ça peut commencer à lorsqu'on sait que ta sœur a eu à fréquenter telle personne, lorsque ta sœur a eu à avoir tel ou tel comportement. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils vont savoir que leur sœur a un comportement considéré comme étant déviant, ils vont vite faire le nécessaire pour la remettre sur le droit chemin. Et pour ça, ils utilisent la force, ils utilisent même la violence, non seulement pour contraindre la sœur, et moi je suis sûre à 100% qu'elle a dû recevoir des coups, mais aussi la violence pour le garçon avec lequel elle a tendance à communiquer, pour lui faire comprendre tout simplement que tu es en train de jouer, après le disent pas, mais tu es en train de jouer avec ma réputation, avec mon image, et que voilà, et que tu vas devoir t'arrêter. Et ils utilisent la violence, la force pour faire asseoir leur pouvoir sur ce jeune garçon. C'est ce qui s'est passé. Donc,
La réputation, l'honneur pour ma sœur, pour la famille, c'est faux. Ils ont fait ça pour eux-mêmes parce qu'ils pensent à leurs activités, ils pensent à leur réputation dans le quartier dans lequel ils vivent. Ils ont essayé, ils tentent d'imposer leur propre marque de par les antécédents qu'ils ont pu faire et ils veulent aussi montrer aux autres qu'ils sont chauds. Donc, en fait, plus tu auras des antécédents, plus tu vas être considéré comme étant un homme capable, malheureusement. Et je reviens toujours, hein, je le rappelle. Dépendamment de leurs propres codes, des codes de la rue, ça se passe comme ça. C'est pas, ils n'ont pas fait cette réputation pour la fille. Personne ne pense à la fille dans un premier temps, que ce soit au niveau des parents, ils ne pensent pas à la fille, ils pensent à eux, la mère, elle pense à elle, le père, il pense à lui, il doit montrer qu'il est un homme viril, qu'il est un homme fort, qui sait contrôler et faire en sorte à ce que dans sa propre famille, tout le monde puisse filer droit. Ça, généralement, c'est beaucoup l'intérêt pour les filles, mais jamais pour les garçons. Et la maman, pareil. Il pense à eux bien avant la religion. Le garçon, il pense à lui avant la religion et avant même ses parents. Parce que je me permets de vous rappeler que ce qui s'est passé avec Shamsedine, ça s'est passé exactement pendant la période du Ramadan. Le dernier jour du Ramadan, c'est aujourd'hui. Donc, dans le cas où ils avaient voulu faire ça pour la religion, comme certaines le prétendent, ben en fait, ils n'auraient pas commis cet acte-là pendant cette période-là. À la rigueur, ils auraient attendu. Et quoique, dans le cas où ils avaient vraiment fait le Ramadan et qu'ils auraient compris en réalité ce que le Ramadan c'est, ils ne seraient même pas intervenus de cette manière-là. Pas avec la violence physique. Ils seraient partis voir le garçon. Alors, des fois, tu peux aussi t'imposer pour essayer parce que voilà, c'est vrai que quand tu t'impose face à un homme pour tenter de le contraindre d'agir comme tu le souhaites, eh bien, des fois, tu dois t'imposer et parfois faire preuve de virulence. Donc, ça aurait pu être parler fort, menacer, ce genre de choses, mais en tout cas, pas avec de la violence. Donc, pour moi, je suis désolée. Je suis désolée. Ils n'ont pas fait ça pour l'honneur de la fille, ni pour l'honneur, tout simplement, des parents. Ils s'en foutent. Ils ont fait ça pour leur honneur, pour avoir la possibilité, dans leur quartier, de marcher la tête haute, de pouvoir continuer à faire leurs activités, parce que tu vas travailler avec des autres hommes. Et les autres hommes, en fait, ils vont se moquer de toi, ils vont t'humilier de par les informations qu'ils ont sur ta sœur. Et même quand ils vont pas te forcément te proposer certaines missions, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, tu parviens même pas à gérer ta petite sœur. Qu'est-ce, en fait, nos affaires, tu peux les gérer comment? Et c'est ça qui s'est passé exactement. C'est ça qu'ils ont voulu faire en fait dès le départ. Il faut pas se faire avoir par rapport à ça. Vraiment, il ne faut pas se faire avoir par rapport à ça. Donc, tout simplement, c'est que dans les communautés africaines, la réputation de la famille passe par la réputation de la fille. Le garçon peut se permettre de dealer, peut se permettre de commettre des délits, voilà. Et donc, il ne sera jamais, on ne va jamais le retirer ou le mettre de côté. Là, aujourd'hui, la fille, elle est mise à l'écart de son groupe. Parce que, bien évidemment, elle aussi, elle est poursuivie parce qu'elle n'a pas communiqué l'information, etc., au jeune garçon. Donc, déjà, si on a décidé de la poursuivre, c'est qu'eux aussi ont des éléments. Elle n'est pas en détention provisoire comme ses frères. Elle se retrouve, ils l'ont mis, je crois, dans un foyer ou dans un centre. Et elle n'a pas le droit de mettre pied dans son département. D'accord? Donc, c'est ça qui se passe pour cette fille. Mais vous savez très bien que dans les communautés africaines et dans les familles africaines, on va la tenir responsable de ce qui s'est passé. La fille, elle va subir une exclusion totale. Déjà parce que la famille va apprendre qu'elle a parlé avec des garçons et elle envoyait des textos un petit peu chauds. Et aussi parce que tes frères sont partis en prison à cause de toi. Parce que dans le cas, tu n'avais pas eu le comportement d'une bip. On n'en serait pas là. Et donc, sa famille, malheureusement, va la tenir responsable aussi de ce qui se passe. À savoir le fait que tes frères ont commis ça, pas à cause de ton comportement. Mais pour le coup, on a des frères qui sont déjà connus pour violence en réunion, qui ont des antécédents, qui ont un casier judiciaire. Et dans le cas où vous avez pensé à l'honneur de la famille, ça veut dire que toi aussi, tu as un comportement qui est plutôt correct. Tu ne penses, parle pas d'honneur de la famille quand toi, tu as des activités, quand toi, tu as déjà connu des services de police, etc. Ça ne tient pas la route. La fille va se retrouver rejetée par sa propre famille. Ça, j'en suis persuadée. En plus, famille, africaine, comorienne, etc. Très stricte, très, très stricte. Surtout avec les filles, c'est vraiment très strict, hein. Des fois, on parle des communautés africaines, même, je pense que pour moi, personnellement, hein, de ce que j'ai comme
information et même de par mes faibles connaissances, pour moi, c'est même l'effet de groupe dans les communautés comoriennes, enfin, dans la communauté comorienne, je pense que c'est même pire que pour les communautés Ouest-Af. Je pense que c'est pire. Donc, cette fille-là sera exclue. C'est mort. C'est évident. On va parler de partir du principe où c'est elle. C'est à cause d'elle, c'est à cause de son comportement. Si elle n'avait pas eu un comportement de bip, ben, on n'en serait pas là, tout simplement. Ses frères seraient dehors. Voilà, tout simplement. Mais à aucun moment, on ne va reprendre le garçon du fait de se comporter mal. Les parents, en plus, qui subissent ça directement. C'est-à-dire que quand ton fils est connu par les services de police, on vient à 5h, 6h du matin, on casse ta porte, etc., à l'improviste, on rentre dans ton intimité, on balance un petit peu tout partout, on jette tes affaires par terre, c'est des événements qui sont plutôt traumatisants. Mais quand on sait aussi la réalité, qui est que beaucoup de familles tiennent les deux bouts de par les activités des garçons et qui fait que les garçons aussi bénéficient d'une certaine protection par rapport à ça, eh bien, ça fait qu'on a tendance à fermer les yeux sur beaucoup de choses. D'autant plus qu'il faut le dire aussi que vous avez certaines familles qui n'ont pas uniquement ont amélioré le confort de vie, ont pu aussi augmenter leur statut au sein de leur propre groupe. Parce que grâce aux affaires des frères, à l'argent que rapportent les frères, la famille, une fois qu'elle a été rassasiée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a partagé un petit peu avec le groupe. Et ce qui fait que tout le monde mange. Et donc, automatiquement, ça fait qu'on n'aura pas la même virulence parce qu'on part du principe où, certes, c'est mauvais, mais en même temps, ça profite à la famille. C'est la plus grosse hypocrisie qui existe au sein de certaines communautés africaines, de certains foyers africains. Faut dire la vérité. Mais celle de la fille, ça ne rapporte rien. Ça ternit juste la réputation. Et ça signifie que l'on, et ça va justifier que l'on aura tendance à avoir un comportement qui sera beaucoup plus virulent envers la fille que envers le garçon. Maintenant, comme je le dis, 15 ans, elle envoie des textos, etc. L'éducation est où? Il y a un moment donné où, quand on est des personnes d'origine africaine, on vient d'un pays dans lequel, voilà, c'est beaucoup plus conservateur, etc. La religion, elle a aussi beaucoup sa place, c'est vrai. Eh bien, on arrive, on s'impose dans un pays occidental, là où les mœurs sont différentes, les mœurs sont évoluées, là où il y a beaucoup plus de communication par rapport à ça, parce qu'on a compris à un moment donné que ça faisait partie de la vie, tout simplement, et que bah, les jeunes aussi ont, de grâce à tous les outils, tout ce qui a été mis en œuvre, des rapports plus tôt. Eh bien, bah, quelle attitude devons-nous avoir face à ça? Moi, déjà, je me suis posé la question dès le départ, comment est-ce que les frères ont eu connaissance des textos? Je me suis dit, il y a deux options. Soit la fille, elle était surveillée auprès de sa famille, parce qu'on vous savez très bien comment est-ce qu'on surveille les filles, comment est-ce qu'on harcèle les filles. Vous avez même des filles dans leur propre foyer, on se permet d'ouvrir leur téléphone, de regarder les textos, etc. Je peux vous le garantir. Donc, je me suis dit, soit il y a une femme, et en l'occurrence une femme, hein, qui a ouvert le téléphone, elle a vu des textos. Qu'est-ce qu'elle a fait? Directement, elle est partie en parler au frère. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je vais la vendre, je vais la balancer. Parce que si je la balance pas et que ça se sait, on pourra pas dire que c'est moi. Voilà, on ne pourra pas dire que c'est moi, je me protège, etc. Je suis pas celle qui a participé ou qui a couvert quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est le comportement de beaucoup, hein. Parce que je vous garantis qu'il y a beaucoup de personnes dans les familles noires où vous avez les femmes qui vont trahir les filles. Au lieu de venir vers elles et d'avoir une approche ou plutôt pédagogique dans laquelle on va discuter, on va communiquer, bah elles, ce qu'elles font, comme elles pensent à la réputation qu'elles-mêmes auront, quand elles pensent au fait que les hommes vont se retourner contre elles, eh bien, elles se disent non, moi, ça va pas se passer comme ça. Je me mets tout simplement en retrait. Je la balance. Je dis qu'une telle, un tel regarde son téléphone. Elle a des messages un peu bizarres aux gars, etc. Et là, les frères ont eu l'information. Et du coup, bah forcément, les garçons sont intervenus. Ensuite, il y a un autre cas de figure où bah, elle parlait avec plusieurs gars. Ça s'est ébruité un petit peu partout. C'est entré dans les oreilles de la fille en question. Parce que peut-être que le garçon, lui aussi, il ne s'est pas communiqué. Il en parlait un petit peu à tout le monde, etc. Vous comprenez, un garçon de 15 ans, il a un petit peu sa testostérone, il a ses hormones et tout. Et du coup, bah, ce jeune garçon-là, bah, il parle avec une fille, en plus qu'il considère comme étant jolie. Il va en parler à des amis, etc. et tout. Regarde ce qu'elle m'envoie, regarde si il a le sentiment
sentiment un petit peu d'être un peu viril et tout. Et donc, du coup, bah, c'est rentré dans l'oreille des frères, malheureusement, et les frères ont décidé d'agir. Mais il y a un moment donné où il va falloir arrêter d'être hypocrite parce que les rapports intimes ont toujours existé dans les quartiers, d'accord? J'ai envie de dire que c'est même presque limite plus propre aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ça finissait dans des caves. Et donc, je me suis dit, peut-être, non, mais c'est la réalité. C'est que ça a toujours existé, en fait. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Juste, faut pas oublier aujourd'hui le fait qu'on est aussi à l'heure des réseaux sociaux. Et qu'à l'époque des anciens, même des gens qui sont beaucoup plus grands que moi, eh bien, ce qui se passait ne finissait pas sur les réseaux sociaux. Parce que de toute façon, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et que ce qui se passait avant, c'est aussi rendu visible. Et que les informations, elles fuitent. À l'époque, ça restait quoi qu'il arrive des rumeurs. OK? Ça restait des rumeurs. Mais ça a toujours existé. Et malheureusement, on est dans un pays où il n'y a pas les statistiques ethniques. Dans le cas où il y avait les statistiques ethniques, on aurait la possibilité d'avoir certaines informations. Des informations permettant, en fait, d'avoir, bah, de savoir déjà quelles sont les personnes de quelle communauté est-ce qu'il s'agit, de quelle origine est-ce qu'il s'agit, la tranche d'âge. On aurait la possibilité de savoir aussi le nombre d'avortements, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avortements dans les quartiers populaires. Que savoir aussi quelles sont les filles qui ont recours à la reconstruction de l'hymen, parce que ça existe aussi dans les quartiers. Et ça concerne des filles noires, des filles maghrébines, etc. Faut dire la vérité, ça a toujours existé. Et quand on arrive à un certain niveau comme ça et tout, c'est parce que malheureusement, le dialogue, l'éducation ne s'est jamais fait, parce qu'on a considéré qu'il y avait des tabous, qu'il fallait pas en parler, qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça. Mais on se retrouve aujourd'hui, malheureusement, avec des filles qui, même parfois, bah, tellement elles n'ont pas été éduquées, elles font du n'importe quoi, elles envoient des nudes, elles sont victimes, malheureusement, de revenge porn, de plein de choses. Parfois, c'est des filles aussi qui sont naïves, qui sont jeunes, qui développent des sentiments pour un garçon et qui, au final, elles vont se retrouver humiliées, affichées sur les réseaux sociaux. Mais comme on ne leur a pas appris, on n'a pas parlé avec elles, au final, la fille se retrouve avec une réputation qui est totalement entachée. On se retrouve aussi avec des filles qui vont avorter en pagaille parce qu'on ne leur parle pas de la contraception. On ne les emmène même pas chez un gynéco. Vous avez des jeunes femmes qui n'ont jamais vu de gynécologue. Je vous le garantis, les mères n'amènent pas leur fille chez le gynéco parce qu'elles partent du principe où si je ramène ma fille chez le gynéco, c'est comme si je lui donnais l'autorisation pour avoir des rapports intimes. Or, normalement, une jeune fille, dès lors où elle a ses premières menstruations, elle doit aller voir une gynécologue pour discuter, etc. Parce que bah, désormais, elle est apte à tomber enceinte. Et elle doit se protéger. On a plein de filles qui avortent en pagaille parce qu'elles n'ont pas eu l'éducation et qu'elles font du n'importe quoi. Malheureusement, bah, en fait, elles ne sont pas assez matures. Elles ne sont pas éduquées sur pas mal de choses. Donc, elles tombent enceintes, elles avortent. Il y a des filles aussi qui font de la reconstruction d'hymen, parfois imposée par les mères. Voilà, quand elles apprennent que leurs filles ont perdu leur virginité, parfois c'est les filles qui vont le faire même en cachette parce que elles vont se marier, elles veulent pas que ça sache. Enfin, pour plein de raisons. Aux États-Unis, par exemple, vous avez les statistiques ethniques qui permettent de savoir, par exemple, que dans aux États-Unis, vous avez beaucoup de femmes afro-américaines qui avortent énormément. Et on sait que dans certains États, c'est un problème. Je me souviens que j'avais l'information sur un État. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus du nom de l'État. Désolée, hein. Mais dans cet état-là, la communauté afro-américaine, bah, elle représentait 10%, d'accord? C'est-à-dire que dans cet état-là, sur la population, 10% étaient des afro-américains. Et sur les 10% des afro-américains, les femmes afro-américaines représentaient 53% des avortements. Vous vous imaginez? Ça signifie qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, qu'il y a une misère économique, qu'il y a pas mal de misère en fait qui explique ça. Et tant qu'il n'y a pas d'éducation, à un moment donné, comment est-ce que vous voulez que les choses puissent baisser? On n'a pas cette information-là en France, il n'y a pas les statistiques ethniques, mais on sait très bien, on sait très bien que en France, malheureusement, les filles aussi des communautés africaines sont concernées par ce genre de choses. Maintenant, la fille, elle n'a pas parlé d'avortement. Ça se trouve que la fille n'a jamais rien fait, qu'elle voulait juste chauffer des gars, ou peut-être qu'elle ne savait pas comment ça se passe et qu'elle a dû écouter des gens, des grandes personnes, qu'elle a écouté les réseaux sociaux, qu'elle a suivi des gens qui l'ont dit. Voilà comment est-ce que tu dois procéder pour qu'un mec il tombe amoureuse de toi, ou que vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de zones d'ombre qu'on ne sait pas. Et donc, même dire que la fille, voilà, elle a un petit peu un comportement de catin, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord, en fait. Et parce qu'il n'y a pas d'éducation, c'est possible. Une jeune fille de 15 ans, vous avez plein de jeunes filles adolescentes
qui s'exposent. Vous avez des filles qui envoient des photos de leur nudité, ce qu'on appelle des nudes. C'est une réalité. C'est une réalité. D'accord? C'est une réalité. Elles envoient des nudes parce qu'elles pensent pas, en fait. Elles pensent l'instant présent à faire plaisir à un garçon qui va leur demander, en fait, d'avoir des informations sur leur intimité, mais elles ne pensent pas au fait que ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un moment donné où si on ne communique pas avec cette jeune fille, on ne lui dit pas ce qui se passe, ce qu'elle doit éviter de faire, ce qu'elle peut se permettre de faire ou pas, comment est-ce que vous voulez qu'elle le fasse? Et ça, parce que c'est des garçons qui ne savent pas aussi comment gérer la situation, parce qu'ils se disent, mais comment je peux faire pour que ça s'arrête? Au lieu d'aller communiquer avec une adulte, avec une femme éduquée, mais j'imagine que l'éducation des femmes, en fait, au sein même de la famille de cette fille, n'existe pas. Il y en a très peu. Et des filles qui ont totalement épousé les codes du groupe, eh bien, incapacité d'aller communiquer avec la fille. Cette fille-là, elle aurait dû être gérée. Cette petite fille de 15 ans, OK? Elle aurait dû être gérée par une adulte de sa famille qui allait communiquer avec elle, qui allait lui donner des conseils, qui allait vraiment l'encadrer afin d'éviter au maximum certaines choses. Parce que quand même, 15 ans pour des rapports et tout, moi, je trouve quand même que c'est chaud. Voilà, c'est une mineure et tout. Moi, je ne suis pas forcément favorable. C'est mon avis à moi. Maintenant, je ne suis pas assez hypocrite, idiote pour dire que oui, non, ne le faites pas. Il y a plein de jeunes filles adolescentes, qu'elles soient noires, blanches, maghrébines, qui malheureusement ou heureusement, dépendamment de notre état d'esprit, qui vont perdre leur virginité. Mais encore une fois, la fille blanche, par exemple, je vais faire le comparatif, elle reçoit une éducation. Sa maman lui en parle. Sa maman l'amène chez un gynécologue. La fille noire, on ne va pas lui en parler, on ne va pas la ramener chez un gynécologue. On part du principe où le fait de lui en parler, c'est donner son approbation, c'est approuver que la jeune fille se retrouve à avoir des rapports intimes. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça dépend de l'approche, ça dépend de la manière dont vous voulez éduquer votre fille. C'est tout simplement la protéger et lui expliquer que voilà, il faut faire attention. Et même quand tu communiques avec des garçons, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Parlez en fait avec vos filles, avec vos sœurs. La génération des mères ne pourront jamais le faire, c'est pas possible, on le sait. Mais vous, les filles, qui avez des petites sœurs, qui avez des petites cousines, vous pouvez commencer à entamer des discussions par rapport à ça. Vous avez la possibilité de le faire, faites-le de manière discrète, sans que personne ne soit au courant. Vous n'avez pas besoin d'informer la mère, vous n'avez pas besoin d'informer le père, d'accord? Essayez d'identifier. Il y a des femmes qui pourront le faire directement avec leur fille, il y en a, elles ne peuvent pas. Ok? Cette fille-là, personne de sa famille, que ce soit des sœurs, des cousines, des tantes et tout, ne pouvait lui parler. Hors de question. Parce que c'est strict. Tu restes vierge jusqu'au mariage, on ne veut rien entendre. En plus, elle est d'origine comorienne. Les Comoriens sont très communautaires. Les Comoriens attendent, enfin, que les filles se marient avec des Comoriens, enfin, que les Comoriennes se marient avec des Comoriens. Un Comorien qui se marie avec une fille qui n'est pas pure au mariage, c'est clairement l'humiliation totale pour la famille. Et donc, en fait, on est catégorique. Non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais en fait, à un moment donné, on est en France, on est en Occident. Je veux dire, comment est-ce que vous parvenez, vous, à vous adapter à l'environnement? Comment est-ce que vous parvenez à obtenir ce que vous voulez de votre fille sans vous adapter à son environnement, en fait? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez des femmes qui communiquent avec leur fille à ce jour, elles peuvent avoir 18 ans, 19 ans, elles n'ont jamais rien fait. Et pourtant, la maman, elle communique. Communiquer ne veut pas dire donner son approbation, permettre à ce que la fille, elle fasse ci, elle fasse ça. C'est juste que la fille, pour être capable de savoir ce qu'elle fait, eh bien, et d'autant plus qu'elle est jeune, elle a 15 ans quand même. On parle d'une fille de 15 ans. Elle est adolescente, ça fait même pas 3 ans qu'elle est adolescente. Eh bien, il faut qu'il y ait une éducation. Alors, on dit que les parents n'aiment pas leurs enfants, le mariage autre n'empêche pas d'informer ses filles sur ces sujets. Mais totalement, mais ils ne le comprennent pas malheureusement. Ils ne le comprennent pas, mais ils ne sont pas éduqués aussi pour avoir recours à ça, malheureusement. Attendez. Tu rigoles ou quoi? Les familles camerounaises en Occident sont très strictes. Essaye un peu de parler avec un garçon à 15 ans, tu vas confirmer. Bah oui, mais oui, mais il y a beaucoup de filles aussi qui font la chose. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui ont des rapports intimes. Il y a beaucoup de filles qui se retrouvent à avorter. Il y a beaucoup de filles qui se retrouvent à voir ça. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter. La première fois que j'étais chez le gynécologue, j'étais seule. J'emmènerai ma fille chez le gynéco à l'adolescence. Mais il faut le faire. Il faut absolument le faire, en fait.
Alors ensuite on dit la première fois que ça j'ai déjà lu, une autre fille ou un autre garçon a dû balancer auprès des frères de cette relation. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû balancer, ce qui fait que bah malheureusement ça s'est su. Moi je pense qu'elle a été balancée malheureusement. Et vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux partout, mais la solidarité féminine des femmes noires, mais ça me fait rire. Ouais, mais c'est à cause d'elle. Ouais, mais c'est par-ci. Pourquoi vous n'avez pas fait ça à votre sœur? Pourquoi vous avez... Mais en fait, même la petite, elle n'avait pas à se faire frapper. Je suis désolée. On va pas frapper la fille pour ça. Elle n'a pas à se faire frapper, en fait. On doit dialoguer de manière civilisée avec elle, lui faire comprendre des choses. Et ce n'est pas la place des garçons de le faire, c'est la place d'une femme. Donc même les gens qui disent que oui, mais hein, oui, c'est elle qui a un comportement de chouin, etc. Mais vous parlez d'une petite de 15 ans. Elle est adolescente. Et je rappelle son âge. Elle a 15 ans. D'accord? C'est une adolescente. Vous, à 15 ans, vous allez faire comme si vous ne parliez pas avec des mecs. Vous allez faire comme si vous... Peut-être que oui, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce problème de nude, etc. C'est vrai. D'accord? Moi, je n'avais même pas connaissance à l'époque. Pourtant, j'avais des copines et tout. Elles ont commencé ça tôt, qu'elles envoyaient des nudes. Ça, je le sais. Mais maintenant, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. D'accord? C'est des choses qui existent. Et en fait, on éduque les gens, on communique avec la jeune fille pour qu'elle puisse tout simplement se protéger, elle d'abord, en fait. On parle d'elle. C'est-à-dire que vraiment, la personne la plus importante, c'est elle. Parce que justement, dans des rapports intimes, il y a une conséquence qui est commune, à savoir la santé, mais la fille elle a une conséquence supplémentaire qui est le fait de tomber enceinte. D'accord? Et donc justement, la personne que l'on va davantage protéger par rapport à ça, il s'agit de la fille. Et donc, il faut vraiment encadrer la fille, il faut l'accompagner. Bonsoir Rosa. Bonsoir Blabla, bonsoir les filles. Bon, après moi, j'ai regardé ça que comme un fait divers, donc j'ai juste lu un petit peu ce qui était dit dans les dépêches, Le Parisien, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément tous les tenants aboutissants qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, parce que je suis pas sur les réseaux. Mais pour rebondir en fait sur ce que tu disais, c'est vrai que le souci, on en revient toujours un peu au même point. J'ai l'impression que tous les sujets reviennent au même point, comme tu dis, c'est le manque d'encadrement. Mais c'est surtout qu'on reproche à une jeune fille de 15 ans ce qu'on lui reprochera aussi à ses 30 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, elle parle avec des garçons, mais ah, donc elle va être traumatisée parce qu'on lui a dit arrête de parler à des garçons. Et à 30 ans, on lui dira, mais pourquoi tu ne parles pas avec des garçons? Pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi? Alors qu'on l'a bien expliqué, effectivement, si tu ne commences pas à te familiariser en étant adolescente avec le fait de parler avec des garçons, même comprendre aussi un petit peu aussi la psychologie masculine, c'est très tôt que ça commence, bah, tu ne vas pas pouvoir être à l'aise à tes 30 ans. Quand il va falloir dater, c'est pas là-bas que tu vas être à l'aise pour discuter avec des jeunes hommes. Et on se retrouve effectivement avec des Léa et des Laetitia, voilà, qui ne savent pas comment faire ou bien. Donc, ce qui est problématique, c'est moi personnellement, après j'en ai discuté un petit peu, c'est que effectivement, malgré le tout, le fait qu'elle n'ait pas été celle qui a porté donc ces actes-là, elle est quand même prise dans l'entonnoir de cette violence parce que. Elle s'est dit, parce que les gens ils disent oui, ça se trouve, c'est des filles qui ont balancé, mais enfin, les garçons aussi parlent beaucoup, hein. Faut arrêter de toujours penser qu'il y a des femmes derrière ce genre d'action. Les hommes entre eux ils parlent beaucoup, ils font que ça, Absolument, c'est pour ça que ils sont en justement j'ai bande. exposé les deux cas de figure. Ben, bien sûr, ils sont en bande dans les halls d'entrée là, à parler tous les 4 matins. Vous croyez qu'ils font quoi? Moi, malheureusement, j'en ai plein vers chez moi. Je les entends, ils font que parler. Ils font que parler de filles, de ceci, de cela. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette conception de dire les femmes sont mauvaises, elles font que parler entre elles. Les hommes aussi parlent beaucoup entre eux et ils aiment beaucoup aussi les gossips. Et ça se trouve, c'est un pote à l'entourage de la sœur qui a dit, attends, j'ai vu ta petite sœur avec le gars là, fais attention, tout ça. Donc voilà, moi, c'est ça aussi que j'avais envie de dire. Moi, ce qui me dérange en fait dans cette histoire, effectivement, c'est que la jeune fille, elle est perdante en fait. Parce que si elle était venue de bonne foi en disant voilà, comme une jeune fille de son âge qui veut vivre sa jeunesse et dire voilà, j'ai un petit crush, j'ai un petit amoureux et tout ça, bah bim, on lui dit bah non, tu peux pas parce que voilà, il y a la religion, il faut que tu te calmes, etc. Donc je pense qu'effectivement, elle a peut-être. Paniquée, elle s'est dit, bah, enfin, je pense qu'elle connaît mieux que nous sa communauté. Elle s'est dit, bah, dans ma communauté, s'ils apprennent que je parle avec un garçon, c'est la fin du monde. Parce que pour beaucoup, c'est ça qui est pire. C'est en fait qu'on te prenne, c'est pas comme tu dis, de dealer ou bien d'être
considéré comme un voleur ou comme... Non, non. C'est la pureté de la jeune fille qui est primordiale pour l'honneur de la famille. Enfin, comme on l'a dit, on a d'autres choses à faire que ça. En fait, je pense qu'il faut qu'on arrive maintenant à éduquer qu'on arrive à éduquer maintenant des jeunes hommes, des jeunes femmes qui deviennent des ingénieurs, qui deviennent des cadres sup. Et c'est pas forcément en se... Je pense pas que voilà, la France moyenne, parce que la France moyenne est blanche, hein, faut qu'on le rappelle, ils sont là tout le temps à polisser le corps de leur fille et à se dire, voilà, ils accompagnent comme tu dis. Et comme j'ai toujours dit, bah, on est en France, il faudrait peut-être qu'on commence un petit peu à faire comme les Romains. Et qu'on commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, parce que ça nous dessert en fait. Parce que là, encore une fois, avec cette montée des extrêmes droites, avec ces montées, on va encore dire, voilà, des Arabes, des Noirs, qui foutent la merde dans notre pays. Donc, moi, en fait, c'est ça qui me fait rire, en fait, c'est de me dire qu'en fait, on arrive toujours à être dans les faits divers pour ce genre de choses. Et ça me fatigue un petit peu. Parce que, voilà. En fait, le souci, c'est que quand tu parles d'intégration, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris. Pour eux, l'intégration, c'est quelque chose de péjoratif. Déjà, tu sais, moi, j'aime pas le fait de vivre de manière communautaire, surtout quand c'est entre personnes sous-éduquées, entre personnes malheureusement pas intégrées, parce que du coup, vous ne parvenez même pas à évoluer entre vous. Tu sais, les Noirs et les Arabes sont en quartier populaire depuis plus de 60 ans. Les situations n'ont jamais changé. Les jeunes sont face au même problème. Et ils partent du principe où c'est l'État qui doit intervenir, or que non, c'est les mentalités des personnes qui y vivent qui doivent évoluer pour avoir justement la possibilité d'observer une évolution. S'intégrer dans un pays, ça ne veut pas dire que vous allez accepter, que vous allez vous familiariser avec certaines dérives. Et encore une fois, les rapports intimes ne sont pas des dérives, ça fait partie de la vie. Maintenant, pour une jeune fille qui est jeune comme ça, qui a 15 ans, il est évident que c'est pas maintenant, elle n'est pas assez prête, elle manque de maturité, etc. D'accord? Moi, j'estime qu'il faut patienter un petit peu, au moins attendre d'avoir 19 ans, 20 ans, etc. 19, 20 ans. Mais le fait de se dire, moi j'ai envie de protéger ma famille, en fait c'est ça le problème, c'est que l'envie de protéger leur réputation à eux, mais en fait il y a des méthodes à employer aujourd'hui, tu es obligé de t'adapter à ton environnement. Tu dois t'adapter à ton environnement, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que bah, tu vis dans un environnement qui est différent de celui dans lequel tu as grandi toi-même. La fille, elle vit par exemple aux Comores, bah, pour elle c'est pas évident, parce que toutes les filles aux Comores sont... éduqués de la même manière, ils sont tous soumis aux mêmes règles. Les garçons comoriens savent comment ça se passe avec les filles, et donc c'est pas problématique. Maintenant, une fille qui grandit en Occident, dans un pays où les mœurs sont bien différentes que les mœurs des Comores, qui grandit avec d'autres communautés, des communautés où des gens ont une éducation qui est bien différente de la sienne, etc. Il y a aussi l'influence au niveau des amis. En fait, il y a un moment donné où ça se passe comment? Tu es obligé de t'adapter. Alors, à s'adapter, ça ne veut pas dire aller acheter peut-être, je sais pas, une boîte de capote à sa fille, mais c'est de dialoguer avec elle, de communiquer avec elle, si tu as envie justement que ta fille reste comme elle est, et le plus vite possible, parce qu'après, il faudra aussi la marier vite, tu vois, comme on en discutait justement avec le cas de Léa, bah, faire le nécessaire pour que ta fille, avant ses 25 ans, elle puisse se marier, par exemple. Donc, il y a un moment donné où... il y a un manque total d'intégration. C'est que vous venez avec votre mentalité, etc. Vous voulez que les choses, elles restent comme elles sont pour votre réputation au sein de votre groupe, mais vous ne vous adaptez pas, vous n'essayez pas d'avoir des méthodes adaptées à la génération de cette jeune fille. Et par rapport aux garçons, les garçons ont fait ça pour leur réputation à eux. Ils s'en foutent de leurs parents, ils s'en foutent de l'islam. Parce que dans le cas où ils s'en foutraient pas de leurs parents, t'as pas de casier judiciaire. Dans le cas où tu t'en fous pas de l'islam, tu fais pas ça pendant le mois du Ramadan. Et même en tant que musulman, tu ne tues pas parce qu'un musulman a interdiction de tuer. D'accord? Même la violence physique pour un musulman, il n'a pas le droit en fait. Donc, il y a un problème. La fille, on a pensé à elle. En dernier lieu, c'est pas elle à qui on a pensé dès le départ. C'est faux, c'est du mensonge, chat. On a pensé à elle. C'est la dernière à qui on a pensé. Les garçons ont pensé à eux, ils ont pensé à leurs parents, et après ils ont pensé à leur sœur. Et encore, je ne sais même pas s'ils ont vraiment pensé à elle. Et elle a dû se manger des coups, hein.
Elle a dû se manger des coups. Parce que faire preuve de violence comme ça, c'est que la fille, régulièrement, elle a tendance à recevoir des coups aussi. Donc, voilà. On a Black Girl. Bonsoir, Black Girl. Bonsoir, vous m'entendez bien? On t'entend. Bienvenue. Merci. Franchement, là, j'étais obligée de monter parce que ce sujet, je sais pas, franchement, il me met hors de moi et ça montre vraiment le dysfonctionnement total des familles africaines. Parce que, en fait, depuis que j'entends parler de cette histoire, j'entends pratiquement pas parler des parents, en fait. Ils sont démissionnaires ou quoi? Pour que. Enfin, qu'on en arrive là, franchement, faut que les parents aient démissionné de leur fonction parce que du coup, c'est les frères qui se sentent obligés, entre guillemets, de fliquer leur sœur, qui se sentent obligés après d'aller enfin, tabasser un jeune homme parce que, bah, parce que le jeune homme entache à leur réputation, entache à l'honneur de la famille, enfin. Enfin, en fait, cette histoire du début à la fin, c'est vraiment, ça montre la dysfonction des familles africaines. Parce que là, on ne voit pas le père ou la mère venir parler d'honneur ou je sais pas quoi, alors que les enfants, clairement, ils sont pas du tout sur le droit chemin, notamment les deux garçons. Mais, enfin, je sais pas, je me dis que c'est fou et qu'il n'y avait personne autour d'eux pour bah, les arrêter, en fait. Ni d'oncle, ni de tante, ni de cousin. Genre, ça montre vraiment la dysfonction chez les Africains. Parce que, enfin, je comprends qu'il y a de la précarité. La précarité fait que, voilà, peut-être les parents ne peuvent pas être présents. Mais il y a un moment où y a des gens dans la communauté africaine, il faudra je sais pas comment dire, mais les discipliner. Parce que là, ça entache un peu, entre guillemets, à toute la communauté, même si on n'est pas tous comme ça. Mais ça montre vraiment qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que ni les oncles, ni les tantes sont rentrés en jeu dans ce qui se passe. Au final, on va dire pratiquement tous les enfants vont peut-être aller en prison. Et ça continue comme ça, en fait, parce que ça, c'est une histoire qui, là, nous touche parce que c'est arrivé récemment. Mais comme tu l'as dit, blabla, c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça dans les cités. Et les Africains, c'est pas maintenant qu'ils sont arrivés en France. Donc, ça veut dire que ça continue de se perpétuer et il n'y a personne pour arrêter le cycle. Et après, on va venir pleurer que oui, on a une mauvaise réputation, oui, on sort pas des cités, mais. Encore heureux que ce genre de personnes ne sortent pas des cités, parce que s'ils se retrouvent dans toutes les sphères de la société, c'est la décadence partout en fait. Parce que déjà dans la cité, c'est pas super bien que des gens se fassent tabasser, lyncher, etc. Mais imaginez même dans un beau quartier, vous faites vos enfants, vous les envoyez dans un beau quartier, vous les avez mis peut-être dans une école privée, et au final, ils se retrouvent aussi à être tabassés pour des histoires débiles en fait. Moi, franchement, ça me choque qu'il y ait encore cette mentalité aussi forte et qu'il n'y ait rien qui soit fait pour changer. Et juste ce que je voudrais rajouter avant d'arrêter de parler, c'est vraiment qu'on doit parler, en fait, parler aux plus jeunes, même si c'est des garçons, même si c'est des filles, parce qu'en vrai, l'éducation sexuelle, là, c'est vrai que nous, on est sur une chaîne pour les femmes et tout, mais ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes, parce que Mais si les ces hommes, ils garçons, sont révoltés, mais en oui. termes d'éducation sur les rapports intimes, c'est les garçons qui doivent gérer les garçons et les femmes doivent gérer les femmes. Moi, je parle Oui. de ce principe-là. Mais quand tu es avec des garçons, tu sais, le problème avec l'éducation sexuelle en banlieue est très problématique. Parce que on n'expose jamais la misère sexuelle et la misère affective des garçons de quartier. Donc aujourd'hui, elle est moins présente vers les gens d'une génération. À l'époque, je pense que c'était beaucoup plus intense que ça. Maintenant, les garçons, voilà, comme les jeunes sont de plus en plus impliqués dans des business, ils ont de l'argent, donc ils ont les moyens de sortir avec une fille, de payer les restos, etc. Tu vois, ils ont la possibilité d'entretenir une relation plus qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment très compliqué. Et en fait, si tu veux, ils vont être, ils vont, qui va leur apprendre? Ils vont apprendre avec des gars. Généralement, tu sais, moi je l'avais indiqué un peu comme ce que j'avais développé quand on avait parlé notamment du cas du jeune garçon Naël. C'est que même le cas de Naël, il était représentatif d'un patriarcat médiocre des quartiers. Voilà. C'est-à-dire que l'influence des hommes plus grands, des aînés, qui s'est fait sur une génération et qui les a malheureusement mal guidés, mal encadrés, d'ailleurs qui ne les ont jamais encadrés.
Et c'est un peu ça, en fait, même que les garçons, sur le plan de l'éducation sexuelle. C'est-à-dire que tu as beaucoup de garçons qui ont été dans les quartiers, ont été confrontés à une forte misère sexuelle et une forte misère affective qui s'explique déjà de par les codes, à savoir le fait que c'était quand même compliqué d'avoir accès à une fille qui vivait dans le même quartier qu'eux, parce qu'il y avait son frère, elle était connue, il y avait la famille, elle était aussi parfois chrétienne ou musulmane, les familles étaient assez conservatrices, donc c'était pas évident, tu vois. Nargis, juste coupe ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, c'était pas évident. Et donc, il y a eu ça qui a expliqué déjà le fait qu'il y avait une misère affective qui concernait, du coup, les garçons. Blabla. Et il y a aussi... Oui. Excuse-moi, je vais juste rebondir vite fait, justement, sur cette éducation-là. Mais oui, pourquoi tu crois, blabla, que les jeunes garçons qui dealent là, ils allaient à Pattaya, pourquoi ? Pattaya, c'est connu pour quoi ? C'est en Thaïlande, c'est connu pour être un endroit connu pour la prostitution. Donc moi, je sais souvent, même il y a eu le film Pattaya, tout le monde rigole, mais c'était vrai. Dès lors que ces jeunes garçons avaient accès à beaucoup d'argent, ils achètent de la sape, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Ils vont en vacances, en bande, en Thaïlande, pour ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'éducation sexuelle, ils l'ont, c'est une éducation qui est faussée, parce que c'est soit par le biais de péripatéticiennes, ou soit par le biais de films pour adultes. Il n'y a rien entre les deux, en fait. Mais exactement, c'est parce que justement, la misère affective et la misère sexuelle de beaucoup, ils s'éduquaient comment ? Par leurs propres moyens. Et l'éducation se passait comment ? L'éducation se passait dans les, comme tu as dit, les films pour adultes. Et comme je te l'ai dit aussi, le problème du garçon Shamsedine, c'est que Shamsedine, garçon de 15 ans qui parle avec une fille de 15 ans, etc., c'est que c'est un garçon qui plaît, c'est un garçon qui a aussi la possibilité, on ne sait pas, dépendamment de sa situation, de ne pas avoir la même situation que beaucoup de garçons de son âge dans les quartiers ou d'une certaine génération, et parce qu'il plaît à une jeune fille de son âge. Et les garçons qui ont toujours eu à éviter ce parcours-là, c'est-à-dire à être confrontés en quelque sorte à la misère sexuelle, à la misère affective et tout, c'est généralement les garçons qui, sur le plan physique, étaient beaux. Les garçons qui étaient beaux sur le plan physique, non seulement qui étaient beaux, mais qui parvenaient aussi à asseoir une certaine force en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, c'est les garçons qui parvenaient à avoir des filles. Et généralement, là, ce profil de garçon, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque ? Comme ils savaient très bien qu'eux, ils avaient des filles qui étaient disponibles pour avoir des rapports intimes avec eux, ils étaient entourer le garçon pour qui c'était plus compliqué de conclure avec une fille. Et des fois, ils pouvaient même proposer ou soumettre la fille qui venait leur rendre visite et qui était peut-être prête à l'idée d'échanger avec eux, de devoir aussi échanger avec d'autres garçons. D'où justement le problème des tournantes. Le problème des tournantes dans certains quartiers qui se sont passés à l'époque, qu'ils se donnent rendez-vous dans des caves, etc. C'est quoi ? C'était toujours des garçons qui parvenaient à pécho des filles parce qu'ils étaient mignons, parce que voilà, ils étaient un petit peu les sportifs, ils étaient un peu les garçons qui parvenaient à avoir des filles et tout, ils avaient une certaine prestance. Ils voulaient faire aussi croquer, comme on dit, leurs copains, leurs amis. Et c'est comme ça qu'on a eu des histoires de tournantes de réputation de filles qui n'étaient pas du tout préparées, qui pensaient même au départ, elles étaient peut-être prêtes à faire ça parce que c'était leur mec, mais s'attendaient même pas à avoir ces rapports-là avec d'autres gars. Et justement, qu'est-ce qui se passait ? C'est que ces filles-là, comme elles n'étaient pas éduquées, la plupart, elles étaient soit blanches, des filles blanches qui ont grandi dans des quartiers, ou des filles maghrébines, et même certaines filles noires, et comme elles n'ont pas reçu d'éducation à ce niveau-là, comment en fait se protéger ? Comment est-ce que tu vas dire à une fille, ne va pas dans tel endroit suivre un gars parce que c'est dangereux, etc. Tu vois, ce que je veux dire ? Tout ça, ces informations, elle ne les avait pas de par le manque d'éducation qu'il y a. Et il y avait des filles qui avaient des réputations totalement entachées par rapport à ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Shamsedine, c'est un garçon qui allait lui proposer de faire des choses, même de la tourner. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que le garçon qui est mignon, c'est toujours lui qui a réussi à conclure avec les filles. Et ceux qui étaient plutôt moyens ou pas du tout mignons, ils ne pouvaient pas conclure avec des filles, en fait. Et donc, ils subissaient leur misère sexuelle et leur misère affective. Et beaucoup des garçons de la génération au-dessus de ces garçons aujourd'hui qui ont 15 ans, qui ont 17 ans, ils ont été confrontés à ça, à cette misère sexuelle, à cette misère affective. Qu'est-ce qu'ils vont expliquer aux garçons ? Quand eux, leur éducation même, ils l'ont fait par le biais des films pour adultes, comme tu l'as dit, ou même beaucoup de garçons ont perdu leur virginité en allant voir des professionnels. Et c'est une réalité. Parce que comme ils ne pouvaient pas avoir en fait accès aux filles, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient au final voir des professionnels, en fait.
Mais qu'est-ce que tu vas apprendre quand tu as eu ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est que eux aussi doivent s'éduquer pour éduquer les autres. Tu ne peux pas éduquer les autres si tu n'es pas toi-même éduqué sur certaines questions. C'est qu'il y a des choses que tu as ingurgitées, que tu as compris, que tu vas transmettre aux autres. Et donc, l'éducation ne peut pas se faire, en fait. Ils ne sont pas prêts à la faire. Et donc, il y aura toujours des garçons qui vont agir de cette manière-là, qui vont manquer de respect aux filles, parfois qui auront un comportement agressif. Je veux dire que même dans certains quartiers, draguer une fille, ils ne savent pas, tu vois. Ils ne savent pas draguer, c'est très vite agressif, ça parle très vite mal. La fille, elle dit non, ça s'énerve. Bon, ça a changé un petit peu, il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, nouvelle génération, ils ont de l'argent, ils travaillent, ils ont accès à des choses, ils partent en vacances. Tu vois, ils ont ils ont pas mal de choses pour sociabiliser. Et donc, ils comprennent très vite aujourd'hui qu'il y a des comportements qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir. OK? Donc... En tout cas, ouais, tu as totalement raison. C'est qu'il y a une génération, même pour qu'ils puissent éduquer, ça va être compliqué, quoi. Alors, nous avons Nargis. Bonsoir, Nargis. Bonsoir. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Bienvenue. Super, bien, merci. Merci. Donc, oui, je viens d'arriver. Donc, j'ai raté quelques petites choses. Donc, j'ai pris la discussion, enfin, le débat en chemin, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est quand tu as parlé en fait, moi, je vais essayer d'être le plus clair possible, du rapport qu'ont les filles noires à leur propre corps, à leur sexualité, et les filles noires africaines dans les quartiers. Et je pense que c'est un énorme problème. Tu parles beaucoup de l'éducation, mais moi, je pense qu'il faudrait aller au plus profond. Comment faire son éducation quand tout est tabou, en fait? Quand la sexualité, qu'avoir du désir en tant que femme noire, c'est tabou. Avoir, de l'ambition de se détacher de certains dogmes qui, je pense, nous, les femmes, beaucoup, nous responsabilisent trop tôt par rapport à ce qu'on représente au sein d'une famille, au sein d'une société, la femme pourvoyeuse de désir, pourvoyeuse de l'unité familiale, etc., etc. Et finalement, dans tout ça, on se connaît pas, en fait. Enfin, je mets « on » parce que je suis noire, mais je pense que la femme noire ne se connaît pas tant qu'elle n'a pas coupé les liens, vraiment pas coupé le cordon entre avec une famille qui peut être toxique, qui peut être abrutissante, qui peut être totalement un frein social. Et ça fait qu'après, on tombe sur des jeunes filles qui sont complètement perdues, quoi. Qui sont complètement perdues parce qu'on vit dans les quartiers ou qu'on ne vit pas dans les quartiers. On fait partie d'une société qui est très violente ou qui est hyper sexualisée, qui est... hyper politisée, qui est hyper dangereuse, etc., etc. Et ce sont des filles qui, des fois, sont dans des bulles, que ça soit dans une famille très stricte ou pas, qui sont dans des bulles. Et à un moment, elles se retrouvent dans cette espèce de jungle qui est le monde. Et on leur a pas donné les outils. Et pire que ça, on a nié les outils qu'elles pouvaient avoir pour faire face à ce monde. Et je pense que, alors, je connais pas trop l'affaire, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vrai que prendre le prisme de la jeune fille qui, grosso modo, elle a dû se faire pourrir par toute sa famille, elle doit être la honte de la famille. Je ne sais pas ce qui s'est. J'avais lu dans un article que c'est parce qu'ils s'échangeaient des messages. Ah, on t'entend pas. Attention. On t'entend plus là. Les filles, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah, c'est déconnecté. Attendez, je vais lui remettre le lien. On t'entend, mais c'est très pertinent ce qu'elle était en train de dire en plus. Ouais, c'est très pertinent. Attends, elle se reconnecte. Alors, elle est là. On t'écoute, ma chérie, continue. Ton micro, tu l'as coupé. T'as coupé ton micro, ma chérie.
Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, là? Parce que là, je n'entends pas du tout. Oui, on t'entend. Les filles, faites preuve de respect, s'il vous plaît, hein, parce que vraiment, t'entends plus rien? Bah, nous aussi, ma chérie. On n'entend pas, je te mets ça. Alors, je te mets ça dans le chat privé, comme ça. Donc, je te déconnecte et tu te reconnectes, mais franchement, s'il te plaît, reviens, parce que c'était vraiment intéressant et c'est dommage de ne pas pouvoir poursuivre, parce que c'est... Pardon. C'est très très important. Alors, une fille de 15 ans qui parle là, en fait, j'ai l'impression, c'est pour moi, c'est même ostraciser le désir de la jeune fille, en fait. Déjà, on sait très bien que dans certaines cultures africaines, déjà, on se permet de couper certaines parties des femmes pour qu'elles ne puissent pas ressentir du plaisir. Ça veut dire qu'on a carrément considéré qu'elles n'en avaient pas le droit, en fait. Et on a malheureusement peu de femmes qui se rebellent face à ça. Même si, et maintenant, comme voilà, il n'y a pas eu il y a pas mal eu d'organisations qui se sont penchées là-dessus, donc maintenant ils ne le disent plus, ils font ça en privé. Mais on sait très bien que ça continue. Il y a encore des Mais femmes qui se d'ailleurs, font exciter. là-bas, j'ai pas trop envie de te couper, mais je sais pas si vous avez vu, mais là en Gambie, ils essayent de réinstaurer une loi qui permettrait l'excision. Hein. Et Absolument, c'est ils un veulent le faire. Ouais, combat mais c'est de la infini. barbarie. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, est-ce que les femmes comprennent que ça doit cesser quand t'as des femmes? Parce qu'en fait, les hommes n'excisent pas. Hein, c'est les femmes qui excisent. Hein. Donc, si les femmes elles-mêmes ne comprennent pas qu'elles doivent cesser ça, j'ai envie de te dire, voilà. Et aussi ce côté-là, faut dire chez nous, très rageuse, très rancunière, très mauvaise. De j'ai, je suis passée par là, j'ai vécu ça. Pourquoi est-ce que les plus jeunes ne vont pas vivre ça aussi? Donc là, elles le font par vengeance. Elles se disent, bah moi, on m'a fait ça, bah, les autres aussi vont le vivre. Mais maintenant, on a une jeune fille de 15 ans, je veux dire, à 15 ans, qui n'a pas eu de crush pour quelqu'un, qui n'a pas eu un sentiment amoureux, enfin, même si en grandissant, on sait qu'au final, c'était ridicule et que le mec, c'était un tocard, mais on avait 15 ans, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui n'a pas eu ça, en fait, qui n'a pas eu des papillons dans le ventre à l'âge de 15 ans? Et c'est pas pour autant qu'on a baissé nos culottes à l'âge de 15 ans. Mais je veux dire que c'est tout à fait normal qu'une fille, elle s'intéresse à des garçons et qu'un garçon s'intéresse à une fille. Mais tellement pris par la culture, par les codes de la rue, de leur quartier, etc., et du manque d'éducation, qu'on en vient à malheureusement interrompre la vie d'un garçon qui avait toute la vie devant lui. Parce qu'il parle à la sœur. Et en fait, aujourd'hui, on en est où au niveau de la réputation de la famille, du coup? Parce que les parents, mais mon Dieu, ça doit être désastreux. Tes fils sont des assassins. Ta fille, non seulement elle parle avec des mecs, elle envoyait des textos, et aujourd'hui, tes filles sont des assassins. Les parents, ils doivent être comment, en fait? Tout ça aurait pu être éduqué déjà si on avait respecté l'intimité de tout un chacun, s'il y avait eu des femmes qui avaient pu faire un certain travail de conseil, d'accompagnement auprès de la jeune fille, auprès des garçons aussi. D'accord? Parce que les garçons dans lesquels vous avez été correctement accompagnés, ils ne se seraient jamais retrouvés comme étant des délinquants, parce que je me permets de vous rappeler qu'ils ont des casiers judiciaires qui sont déjà remplis, un de 20 ans, un de 17 ans, et des choses assez sérieuses. Mais le manque d'accompagnement et le manque d'éducation, parce que je le dis encore une fois, je vais le rappeler, je vais le répéter maintes et maintes fois, ma chérie, ça dit que tu n'es pas connectée. Attends, je t'expulse, je t'envoie de nouveau le lien. C'est que les parents africains éduquent leurs enfants en fonction de leurs désirs et de leurs besoins. Ils n'éduquent pas leurs enfants pour la société. Éduquer les enfants pour la société, ça signifie faire en sorte à ce que l'enfant puisse aussi respecter les libertés individuelles de tout un chacun, puisse ne pas perturber la tranquillité d'esprit, ne pas empiétrer dans la vie des autres. Et malheureusement, on se retrouve, oui, avec une génération, comme ça a été le cas même pour celle d'avant, de personnes qui vont bah, commettre des délits, qui vont commettre même parfois des crimes, qui vont participer bah, au désordre. Et ça vient de l'éducation. Il y a un vrai problème. Donc, encore une fois, on en revient à l'éducation. Ouais, Voilà. je peux rebondir, blabla. Bien sûr. Moi, j'aimerais vraiment insister sur ce que tu viens de dire, à savoir que je pense qu'effectivement, on confond beaucoup de notions. Il y a la notion de sexualité en elle-même, il y a la notion de parcours initiatique. Enfin, je ne sais pas si, comme vous vous rappelez un petit peu quand on était en première, etc., qu'on lisait les livres un peu de passage initiatique avec le rouge et le noir, ce genre de choses en fait. Où en gros, tu peux pas devenir d'un coup une adolescente et du jour au lendemain devenir une femme. C'est comme pour toute chose, tu dois d'abord t'initier. Donc le fait de commencer à 15 ans, c'est comme tu l'as dit, ça veut pas dire que tout de suite elle va coucher, mais apprendre ce qu'est le flirt, apprendre ce qu'est la séduction, apprendre ce qu'est la sensualité, etc., c'est des choses qui s'apprennent petit à petit. Donc,
Si toi, tu interdis à cette jeune fille d'explorer ça à 15 ans, ou c'est un moment naturel pour elle de découvrir ça va être plus compliqué pour elle. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a certaines femmes noires, parce qu'on parle des femmes noires, qui se retrouvent un petit peu en arrière par rapport à ça, qui ne sont pas forcément dans la compétition féminine, qui sont plus en retard, parce qu'elles n'ont pas, en fait, exercé tout ça, les regards un petit peu complices, les choses comme ça. Et c'est encore une fois mettre la honte sur elle de se dire en fait ouais bah c'est oui pourquoi tu regardes les garçons etc pourquoi tu attires les garçons alors que c'est quelque chose de naturel en fait et c'est ça qui m'attriste un petit peu c'est que à aucun moment on donne le droit à cette jeune fille de vivre sa vie de femme et sa vie de jeune femme sa vie de jeune fille de découvrir d'être là et après effectivement on va venir nous dire mais regarde Gwendoline elle peut faire ci regarde Ling, elle peut faire ça, mais oui, mais parce que bon, au moins sur certains sujets, tout n'est pas parfait, mais on les laisse au moins être des êtres humains qui découvrent en fait leur vie d'adolescente ou de jeune femme. Et effectivement, il faut arrêter de toujours se dire, bah voilà, ma fille, elle va me ramener une grossesse. Je pense même. Les grossesses chez les adolescentes, c'est pas quelque chose de fréquent non plus. C'est une minorité par rapport à toutes les femmes qui découvrent leur sexualité à ce moment-là. Je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'avortements. Je Et pense qu'il y après, a beaucoup, en toute sincérité, moi, je en tout pense qu'il cas, y a beaucoup dans mon d'avortements. entourage, il n'y en a pas eu autant que Aussi, ça. dans mon entourage, il n'y en a pas eu, mais je pense Autant aussi que qu'il y a ça. beaucoup Donc, c'est pour d'avortements. ça que je te dis que, ok, d'accord, effectivement, c'est un risque. D'accord, c'est un risque, mais en même temps, on n'est pas 8 milliards d'êtres humains sur Terre pour rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vraiment c'était anormal qu'un homme et une femme se fréquentent, la nature, elle est bien faite. La nature, elle ne permet pas des choses si ça n'a pas d'utilité, en fait. Donc, je me dis, bientôt, en 2050, on sera 10 milliards. Donc, il faut effectivement arrêter de toujours, en plus, c'est souvent la femme, hein, qu'on l'humilie et qu'on lui fait comprendre que ta sexualité est anormale, mais en même temps on lui fait comprendre je veux accéder à ton corps. Mais c'est anormal. Mais toi, tu n'as pas le droit d'avoir du désir, mais moi je veux accéder. Donc c'est, je sais pas, moi je trouve ça Je veux avoir vraiment. un contrôle. Je veux avoir un contrôle sur ton corps. Et c'est ce qu'on fait avec les aux filles afro sans arrêt. Le fait de vouloir avoir le contrôle sur ses, bah déjà le contrôle sur sa vie, sur ses émotions, sur tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle ne doit être disponible que pour le groupe et ne se voir qu'à travers le groupe. Elle ne doit pas avoir un comportement qui va entacher la réputation du groupe. Que ce soit ses frères, que ce soit ses parents. En fait, elle est éduquée en ce sens. Et t'as des filles, bah, qui, de par leur âge, et peut-être que cette fille-là aussi, elle est très jolie, donc son physique fait que les gens s'intéressent à elle, viennent lui parler aussi. Et donc, bah, forcément, bah, elle voit qu'elle peut plaire, hein, et elle commence à comprendre un petit peu. C'est peut-être qu'elle est aussi dans un groupe d'amis où elle voit que ses copines, elles ont des copains et qu'elle a envie de. Elle a envie de voir un peu ce que ça fait. Et c'est tout à fait normal. Et ça signifie pas que parce qu'elle va avoir un copain à 15 ans, que forcément elle va avoir des rapports intimes. Maintenant, il y a eu des échanges de textos, bah, communiquer avec elle. Et normalement, un garçon assez intelligent, bien éduqué, même s'il aurait eu, et on peut le comprendre, c'est ta petite sœur, tu as envie de la protéger, tu l'aimes, etc. Mais tu vas déléguer à quelqu'un d'autre. Tu vas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Écoute, j'ai vu des messages, apparemment, il se dit si ça, c'est toi la fille, toi, tiens, la grande cousine, gère-la. Parce que moi, j'ai pas envie d'entendre si ça, ça, ça. D'accord? Tu peux même faire semblant d'être énervé, mais tu lui dis, voilà, tu la gères. Parce que moi, je veux que ça cesse, en fait. J'entends des choses, ça ne me plaît pas. Et on laisse la femme, en fait, qui prend le relais, qui va éduquer la fille, qui va la conseiller, qui va l'accompagner. Sauf que, encore une fois, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Mais parce que, aussi, tu sais, il y a le problème de l'éducation du garçon noir qui pense qu'il a tous les droits sur sa sœur. On me dit tout à l'heure dans les commentaires, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a. Écoute-moi, s'il est parti tuer le garçon, c'est qu'elle a dû se manger des bonnes tartes. Hein. Ou peut-être même des coups. Hein. Je pense qu'on l'a tapé. On l'a tapé. Et dans cette éducation où le garçon, il a tous les droits sur la sœur, il peut se permettre de l'insulter, il peut se permettre de la frapper, etc. Mais c'est pas possible. Nargis, ma chérie, ça dit que tu n'es pas connectée. Envoie-moi des messages dans le chat privé. Je vais te répondre. Ça, tu peux le faire, même étant pas connecté. Envoie des messages dans le chat privé. Si tu te connectes toi avec, je crois, je sais pas si c'est avec l'ordinateur ou la tablette, prends le téléphone, c'est mieux. Je t'ai mis les liens.
Après, blabla aussi, enfin, moi, je suis pas forcément connaisseuse un petit peu dans toutes les religions, donc je peux pas m'avancer, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle les chaperons. Les chaperons, la phase de fréquentation, de toute façon, dans toutes les religions, on en parle. Bon, peut-être qu'effectivement, à 15 ans, on se dit que c'est jeune, mais il y a parfois des gens voilà, ils tombent amoureux à 15 ans et ils savent que c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Bah, ces gens-là, on les accompagne. Je pense que c'est ça, hein, c'est l'histoire de chaperon, de se dire, et on parle toujours de guidance et d'accompagnement, on chaperonne en fait ces jeunes adolescents en leur expliquant aussi les conséquences de ce que cet amour peut créer en fait. Et effectivement, on n'humilie pas, mais on accompagne. Mais bon, peut-être que c'est utopique de penser ça dans une communauté Non, c'est pas une utopie. africaine, Il y a des mamans. Il y a d'avoir des des mamans qui le chaperons. font. Il y a des mamans qui le font. Alors, dans certaines cultures, les hommes veulent contrôler la sexualité des femmes et prennent pour argument la réputation pour exercer cette méprise. Absolument, c'est exactement ce qu'ils font. Ils veulent contrôler leurs sœurs. Pourquoi? Pour s'assurer que eux ne soient pas entachés par rapport à ce qui pourrait se passer, à ce qui serait dit par rapport à leurs sœurs. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Mais le souci, c'est que l'éducation où le garçon est roi, où le garçon a tous les droits. Parce que la preuve, on permet au garçon d'être un délinquant. Le garçon, il peut être délinquant, il peut avoir commis de la violence en réunion. Hein. Je rappelle les faits. Hein. Le petit frère de 17 ans, donc violence en réunion, extorsion et vol aggravé par deux circonstances. On a et l'autre qui a été condamné à peine d'emprisonnement avec sursis, le garçon de 20 ans. Donc en fait, on a le grand frère qui a initié le petit frère à ses activités. D'accord? Il les a indiqués, il les a encouragés à ces activités. Et en fait, eux, on ne fermera jamais la porte pour eux. La porte ne sera jamais fermée pour eux. Ils seront toujours accueillis à bras ouverts et encore pire, ils auront même les honneurs dans le cas où leurs activités permettent à la famille de s'en sortir sur le plan financier. Parce que eux, quand ils sont dans la merde, pardonnez-moi, mais ils parviennent à fermer les yeux sur certaines choses. Et pourtant, c'est des parents, parfois vous les voyez dehors, habillés en tenue traditionnelle, vous dites, oh, mais c'est le hège, c'est le père, etc. Oh, la mère et tout, on a du respect, mais ce que ces parents-là sont capables d'accepter et les choses sur lesquelles ils ferment les yeux, vous n'êtes pas prêts. Je vous dis qu'il y a des familles africaines où la famille, elle est devenue riche au pays grâce aux activités illicites de leur fils. Et la mère, au final, le père, lui, à l'époque, quand il a quitté son pays, il devait être un petit gamin. Au final, il est devenu chef du village. Donc, son statut, il a augmenté. Vos parents, vous devez comprendre que le plus important, c'est leur réputation et le statut au sein de leur clan, de leur groupe. Alors, vous utilisez ça comme vous voulez. Vous pouvez dire clan ou vous pouvez dire groupe. Leur réputation, c'est la chose la plus importante. Et vous avez des parents, ils sont devenus chefs de village. Vous avez des parents, ils sont venus comme des sauveurs, des vainqueurs, parce qu'ils ont ramené de l'électricité dans le village, ils ont ramené de l'eau et tout courant dans le village, etc. Il y a tout ça qui a été mis en place. Et vous avez des parents qui pardonnent tout grâce à ça, parce qu'ils voient en fait ce que tout ça a procuré chez eux. Et pourtant, vous pouvez les voir, vous vous dites, oh mon Dieu, mais les parents et tout, vous dites bonjour, vous baissez la tête, vous vous cachez, mais ce qu'ils sont capables d'accepter, bah bonjour quoi. Et le garçon noir qui, en fait, permet à sa famille d'évoluer sur le plan financier, d'avoir plus de confort, d'augmenter le statut de ses parents, etc. Mais il a tous les droits. Dans les familles africaines, l'enfant qui, sur le plan financier, s'impose et permet à la famille d'évoluer, c'est l'enfant préféré. Et dans la jeunesse, dans les familles afro, c'est beaucoup les filles, oui. Mais dans certains foyers, c'est les garçons aussi. Et quand c'est les garçons, bah, on part du principe où un garçon, il doit aussi sécuriser sa famille. Donc, il est vu comme vraiment étant un homme bon, un homme très important. Et tout ça fait qu'il y a un moment donné où il n'y a plus aucune limite. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, revoir tout ça. C'est ça que moi, je suis désolée. Il y a un moment donné où, comme je l'ai dit lors du dernier live, les filles de cette génération-là vont devoir choquer pour que ça change. Elles vont devoir choquer. Il faut qu'il y ait des conséquences. Et maintenant, comme je l'avais aussi dit dans un ancien live, êtes-vous prête à en payer le prix? Parce que t'es vue comme la méchante, t'es vue comme la traître, t'es vue comme la mauvaise. Tout le monde te pointe du doigt. Tu as même la possibilité d'être exclue de ton groupe. Est-ce que vraiment vous êtes prête à en payer le prix? C'est ça en fait que les filles doivent vraiment se poser face à toutes ces injustices ou ce deux poids deux mesures qu'elles subissent au sein des foyers.
Alors, je me rappelle à l'époque, mon grand frère m'avait demandé si j'étais encore vierge. Non, mais en fait, déjà, ça ne se pose pas comme question. À la rigueur, s'il avait été intelligent, il serait parti vers une femme peut-être un peu plus grande que lui et il aurait dit, ouvre la discussion. Enfin, quel frère pose cette question-là, en fait? Ça ne se fait pas, c'est l'intimité. C'est l'intimité de ta sœur. Ça ne se pose pas, cette question-là. Ça ne se pose pas, pose pas, pose pas, pose pas cette question. Mais blablabla, en fait, on en revient toujours à la chose qui est que, effectivement, il n'y a pas de communication. C'est ça aussi qui fait que, parce que si tu regardes comment est fait la communication, enfin, la société en France, tu vois, il y a des talk-shows pour, je sais pas comment ça s'appelle, là, avec Faustine Bollard, comment elle s'appelle, là, ça commence aujourd'hui, je crois que c'est comme ça, ou un truc comme ça, où il y a des sujets de société qui sont vraiment, ils parlent vraiment de tout, tu vois, c'est hyper, il y a vraiment une ouverture d'esprit qui est importante, tu vois, où tu parles vraiment de tout, et ça permet après peut-être, tu vois, d'établir le débat, genre par au dîner, ah bah tiens, regarde, j'ai vu cette émission, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois, mais c'est vrai que tant qu'il y aura toujours un clivage entre les différentes générations sous un même toit, eh ben c'est comme si le passage de d'information le il n'était pas communiqué, parce que normalement c'est la génération d'avant on dit qu'on éduque, l'éducation ça passe forcément par une transmission. Donc, à quel moment on va transmettre, par exemple, à cette jeune fille les codes de ce qu'est être une adolescente, et qu'est-ce qu'on attend d'elle en tant que femme qui vit sa religion, qui respecte sa religion, etc. C'est pas parce que effectivement tu es dans une certaine religion que ça t'empêche de t'informer sur des sujets qui vont ensuite, par la suite, te servir. Donc, c'est vrai que c'est moi, c'est ça qui m'attriste un petit peu. Et si il suffit que tu sois une fille qui est dans un clan de garçons et que t'es pas de grande sœur pour pouvoir t'aider aussi à passer tout ça, et que tu es une mère qui soit pas forcément enclin à discuter de ces sujets-là, ça peut être compliqué. Et après, tu vas te retourner face à tes copines. Mais tes copines, elles n'ont pas la même éducation que toi. Donc elles vont te conseiller, mais avec leur éducation à elles, ça se trouve ce qui se passe. L'éducation qu'elles ont eue est peut-être permissible, lui permettre de faire telle ou telle chose, mais toi, tu te rends compte que ça colle pas avec ta réalité. Donc c'est vrai que tant qu'on n'apprend pas à discuter au sein de son propre foyer, bah, on va chercher les réponses chez les autres, mais les autres n'auront pas forcément les clés pour qui colle à notre situation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et comme on veut tous faire comme tout le monde, surtout à l'adolescence, c'est vraiment ce besoin d'uniformisme. On a besoin d'être comme son voisin. On a besoin de faire comme bah toi avec ton bagage culturel. Bah t'es en France en fait, tu vois. Tu te dis pas ah non, je sais pas moi dans un pays quelconque d'Afrique ou quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en France, mais je suis emprisonné dans ma culture. C'est ça qui me passait par la tête. Bah, écoute, c'est évident, mais en même temps, j'ai envie de dire, franchement, moi, je réfléchis à tout ça et je me dis, va falloir vraiment choquer, quoi. Je suis désolée. Va falloir choquer, va falloir traumatiser, va falloir avoir un comportement qui est strict, va falloir avoir une attitude où il y aura des conséquences, où vraiment il y aura des conséquences pour que ça s'arrête. Vraiment. On a Nargis qui vient de se connecter. Nargis, parle, Allô? parle, parle. On a galéré. On parle. Dis-nous, termine ce que tu avais à dire. Je vois que depuis tout à l'heure, tu galères. Tu t'es connecté avec quoi, ma chérie? Oh, mais on ne l'entend pas. Aïe, aïe, aïe. Avec quoi, ma chérie? Avec mon téléphone, mais le problème, là, je vous entends je vous entends comme si Oh, vous mais étiez on ne 15. l'entend pas. Aïe, 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 aïe. Quoi, ma chérie? Avec mon Attends, téléphone, mais le problème, attends, là, je attends, 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 attends. Oh. Nargis, t'as un ordinateur. Connecte-toi avec l'ordinateur, s'il te plaît. Connecte-toi avec l'ordinateur. Allô? Alors, on dit, blabla, que veux-tu dire par choquer en tant que solution? Ma chérie, il va falloir traumatiser les gens. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que si je parle là, après, on ira dire que oui, elle a dit ci, elle a dit ça, c'est à cause d'elle et tout, dans le cas où ça va vraiment se réaliser. Donc, je vais éviter. Ensuite, nous avons. Attendez, elle est là. Nargis, Nargis, vas-y, écoute. Vous m'entendez? Ça galère. Attends. Vous m'entendez là? Attendez. Ta voix, elle est robotique en fait. Attends, mais j'ai mis. Je vais mettre mon casque, peut-être ça fonctionnera mieux.
Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend, mais c'est... Mais en fait, que tu puisses... En fait, on t'entend, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les micros, on va pas parler pour que tu puisses vraiment développer ton point, d'accord? Donc, on va couper les micros et tu vas parler, ma chérie. Alors, attendez, juste un truc, peut-être que c'est ça. Vous m'entendez, là? Oui, on t'entend, mais tu es, t'es chez toi, tu es à l'extérieur, parce que peut-être que tu es à côté de quelque chose qui provoque des... Comment? Là, vous m'entendez? Ouais, là vous m'entendez? Là, très, très bien. Parfait. Je crois que j'ai trouvé. Ah! Allô? Allô? On a juste coupé nos micros et je communique avec toi dans le chat. Je t'ai mis, on entend, parfait. D'accord. Vous m'entendez bien, là? Rassurez-moi, parce que je suis vraiment... C'est parfait. Je t'ai mis un message dans le chat privé. Ok. En fait, moi, donc tout à l'heure, je rebondissais sur le fait qu'il y a beaucoup de tabous. Vous m'entendez? Ma chérie, on t'entend. Juste, on coupe les micros pour que tu puisses t'exprimer comme tu le souhaites. D'accord. Je parlais et puis on verra bien. Donc non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de tabous. Et il y a beaucoup de tabous dans la culture africaine, dans les familles africaines. Et donc, beaucoup de ces tabous, ce sont des tabous qu'on inflige aux femmes. Donc, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Et je pense même pas que nous, les femmes, enfin les mères, soient les meilleures pour éduquer les hommes. Parce qu'au contraire, j'ai l'impression, et ce que je remarque beaucoup, elles ont tendance, par jalousie envers d'autres femmes qui pourraient prendre leur place, elles ont tendance à faire perpétrer une espèce de misogynie, voire un certain machisme, envers leur mari et envers leur fils. Ce qui font que souvent leur fils ou souvent leur fils, quand ils ont un rapport homme-femme très, très compliqué, ils ne savent absolument pas comment se comporter avec une femme. Et quand ils sont tout jeunes, comme les mineurs dans cette histoire-là, et ben, ils sont complètement pourris dans des familles où la femme ou la fille n'a pas sa place, où elle est complètement perdue dans une société où elle n'a pas elle-même, elle, où elle n'a elle-même pas sa place, qu'on lui a pas donné ses outils dans cette famille-là, et ce qui fait que des fois elle se retrouve dans des situations où elle ne sait pas elle-même se comporter avec un homme. Tout à l'heure tu parlais blabla de nude, etc., etc. Et ça, c'est des codes. C'est une mère, un père qui doit expliquer à une femme quelle est la valeur de son corps, quel est son rapport, quel est le rapport de son corps dans les relations homme-femme, comment elle doit se respecter, comment elle doit communiquer avec les hommes, ce que les hommes sont capables de lui dire, etc., etc. Et je pense qu'avec tous ces tabous qui nous entourent dans les familles africaines, en fait, elles partent malgré une éducation hyper stricte, les vrais outils qui construisent une personnalité, qui construisent une identité, qui construisent aussi un rapport à soi, et ben, beaucoup de jeunes filles dans ces quartiers-là sont complètement largués dans la jungle qui est le monde, qui est la société, quoi. Voilà. Est-ce ça que je peux juste rebondir? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Merci. Il y a Chakour qui dit: c'est un homme qui éduque un garçon. Arrêtez de séparer les garçons de leur père. C'est à vos enfants que vous faites du mal. Arrêtez de mentir à un moment donné. Chakour, il y a des mères célibataires, mais il y a aussi beaucoup de femmes mariées. Et les comportements de ces garçons-là, bah, vous avez des pères qui sont là. Vous voulez faire croire que la femme mère célibataire, c'est forcément celle qui va engendrer de la délinquance, etc., parce que vous vous basez sur des chiffres qui viennent des États-Unis. En France, dans des foyers noirs, vous avez le papa, la maman. Le garçon va dehors et vend de la drogue. Il est dans des activités totalement, il est dans l'illicite, d'accord? Pourtant, le papa, il est ici, il est dans le foyer. Vous avez plein de pères dans les foyers de ces jeunes délinquants. Et vous avez des pères qui ferment les yeux. Vous savez pourquoi? Parce que nécessité fait loi. Donc, arrêtez de croire que oui, la mère célibataire et tout. Dans les communautés africaines, la femme noire, elle est très attachée à son statut d'épouse. Ce qui fait que même pour rien que son statut, elle est capable d'accepter tout et n'importe quoi. Et les jeunes garçons comprennent très bien au sein des foyers comment est-ce que leur maman est traitée déjà par le père et comment est-ce que les autres femmes de leur clan sont aussi traitées. Elles bénéficient la plupart du temps
toutes du même traitement. Ce qui fait que ils grandissent dans un environnement où bah, la femme, elle est au service de l'homme. Elle est bonne à cuisiner, elle est bonne à pondre, elle est bonne à écarter ses cuisses et elle est bonne à faire le ménage aussi. Et surtout, elle est soumise aux directives, aux désirs de l'homme. Et c'est comme ça que beaucoup de garçons africains se sont construits et c'est pour ça que le rapport avec les filles et les garçons sont compliqués, surtout avec les filles de cette génération qui sont nées, qui ont grandi en Occident. Parce qu'elles ne veulent pas être considérées comme leur mère, elles ont beaucoup plus de compétences que leur maman, elles ont beaucoup plus à apporter, elles connaissent aussi leurs droits, elles ont aussi reçu une éducation occidentale, elles ont une double culture, elles ont une dualité qui fait que elles comprennent très vite qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas tolérer. Donc le cas de oui, la mère célibataire et tout, il y a du célibat aujourd'hui de cette génération. L'ancienne génération, la plupart des familles afro, les mamans étaient mariées ou à un moment donné, le père, il est décédé. Après, il y a aussi, oui, des mères célibataires, mais il y avait beaucoup de couples mariés. Les garçons là qui sont issus de la famille comorienne là en question, qui ont agi malencontreusement à l'encontre de ce jeune garçon bah, qui est décédé, malheureusement, je le précise, et je suis persuadée que les parents étaient mariés. Persuadé que les parents étaient mariés. À un moment donné, parler aussi du nombre de pères qui vont en Afrique, passer des 2, 3, 4 mois, qui se barrent, qui laissent les enfants et la famille et la mère sans avoir de l'argent, sans ressources, avec une accumulation de dettes, raison pour laquelle certains garçons aussi sont dans l'obligation, parce que le père, il a manqué à ses responsabilités. Eh bien, ils doivent rentrer, c'est parfois ce qui les encourage à devenir des délinquants afin de justement pouvoir aider la maman à subvenir aux besoins de la famille, des frères et sœurs. Est-ce qu'on en parle de ça? Arrêtez avec le délire de oui, garder les hommes. La femme noire, elle n'a jamais mis aucun homme dehors, d'accord? Quand elle a mis un homme dehors, c'est forcément que cet homme-là, il a eu un comportement. L'homme noir a cette capacité à se déresponsabiliser lui-même. L'homme noir fuit le foyer. Ce n'est pas la femme noire qui met l'homme dehors. La femme, elle est très attachée à son statut d'épouse. Je te le dis. La femme noire, elle redoute même le fait d'être mère célibataire. Donc, il y a un moment donné, c'est compliqué. Arrêtez, oui, faut arrêter, etc. Vous mettez les hommes dehors et tout. Non. Il n'y a personne. Monica, tu as parlé de ton témoignage, ma chérie, t'inquiète même pas. On termine avec Nargis parce qu'elle a elle a pris du temps à se connecter. Après, tu auras tout le temps pour t'exprimer. On t'écoute, Nargis. Ouais, en plus, tu as entièrement raison. Et ça, c'est pour ça que moi, je dis que les mères, alors je dis pas toutes, hein, mais que les mères noires, elles sont des fois mauvaises, elles éduquent mal les hommes, en fait. À un moment, comment tu crées ton regard sur la femme? Si tes parents, le premier modèle, ce sont tes parents. Avoir un père à la maison, si c'est télécommande devant la télé, j'arrive, je finis ma journée de travail, je m'assois, vas-y, maman, elle me fait mon poisson et mon aloco, etc. C'est pas une relation familiale, quoi, en fait. Et tu te construis avec des symboles comme ça. Et les hommes, encore plus que les femmes. Nous, les femmes, qu'on est dans cette famille-là, effectivement, comme tu le dis, en fait, on a vu notre mère souffrir. Elle vient souvent nous en parler. On voit la fatigue d'être mère, la fatigue d'être femme, la fatigue d'être transparente. Donc, on vit dans des sociétés occidentales. On fait des études on est beaucoup plus diplômés que les hommes noirs. On est beaucoup plus apte à se mélanger avec d'autres cultures, etc. Donc, à un moment, nous, on veut casser ça. On veut casser cette espèce de cordon qui nous annihile. Donc, on a plus de facilité à être dans l'introspection, à vouloir avancer. Les hommes noirs, ils sont dans le confort. Ils voient leur mère comme ça, ils voient leur père comme ça. Ça leur demande pas de travail. Donc, ils vont aller chercher une femme qui est exactement le même modèle que la mère qu'ils ont eue. Parler de féminisme à un homme noir, pour lui, c'est la Troisième Guerre mondiale. J'ai eu cette discussion très récemment où elle disait qu'il va aller chercher la même femme. C'est faux. Parce que dans le cas où ils chercheraient la même femme, ils se seraient mariés avec des femmes de leur communauté. Or, on est confronté à une génération où il y a beaucoup de métissage. Il y a des garçons qui ont des comportements dans lesquels bah, ils montrent qu'ils n'ont pas envie d'être avec des filles noires pour diverses raisons. Donc, il y en a, c'est par amour. Il y en a, c'est par complexe d'infériorité. Il y en a, c'est parce qu'ils ont été aussi traumatisés par les foyers. Il faut dire la vérité. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer le métissage de beaucoup de garçons noirs. Donc, c'est faux.
c'est qu'ils prennent les femmes en fonction de leurs besoins. Un garçon noir, généralement, tu auras tendance à observer que quand ils sont en couple mixte, c'est généralement quand ils sont jeunes, quand ils sont encore dans la fleur de l'âge, ils ont encore la possibilité de prendre des risques et ils ont la possibilité de faire pas mal de choses. La femme noire, c'est la femme, ils la prennent quand ils en ont besoin. C'est-à-dire que, dépendamment de sa situation, il constate qu'il en a besoin. Quand l'homme noir, en fait, une génération de garçons noirs, je parle d'une génération là, de beaucoup de garçons noirs, etc., notamment ceux qui ont beaucoup été en couple mixte, reviennent au sein des communautés africaines ou de leur propre communauté parce qu'ils comprennent qu'elles ont des standards qui sont bas, qu'elles sont, elles demandent le moins, qu'elles ont été éduquées dans la soumission de l'homme. Et que ce sont elles qui sont capables, au vu du peu qu'ils ont à leur apporter, d'avoir le comportement, en fait, qui va tout simplement leur faire plaisir et qui va aller dans leur sens. Mais le fait de dire qu'ils choisissent des femmes comme leur mère, c'est faux. C'est faux, parce qu'il y a beaucoup de couples mixtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de garçons qui préfèrent être en couple avec d'autres femmes. S'ils avaient vraiment ressenti un certain confort, ils se seraient mis dès le départ. Ce confort-là, ils le réalisent au vu de leur situation avec l'âge. Avec l'âge, oui. T'as raison. C'est pas dans la jeunesse. Là, il a vraiment beaucoup d'énergie. Il est bourré d'ambition. Il pense encore à évoluer. Ou même, il a même déjà fait certaines preuves. Il ne pense pas à la femme noire. Parce que justement, l'image de la femme noire commence par sa propre mère. C'est une image qui est dégradante. C'est la femme qui est vraiment la femme du minimum. Celle que j'appelle la femme du minimum. Elle est capable d'accepter tout et n'importe quoi. Un homme qui se respecte, un homme qui est ambitieux, un homme qui, voilà, qui comprend qu'il peut pas se permettre de prendre une femme qui est capable d'accepter tout et n'importe quoi. Comment elle va éduquer correctement ses enfants? Qu'est-ce qu'elle va leur transmettre? Ils le savent, ils sont pas bêtes. Ouais, mais blabla, ce que je veux dire, là, moi, je pense que tu parles d'un certain type d'homme qui s'est affranchi de quelque chose. Quand tu prends les garçons qui viennent des quartiers, qui sont dans une misère sexuelle et qui n'ont que comme modèle, finalement, le même type de femme qui les entoure. Ce qui fait que ces jeunes hommes, ils n'ont accès qu'à un certain type de femmes. C'est sur certains types de femmes, ça va être des femmes qui vont quelque part mentalement ne pas leur demander de faire cet effort cet effort d'introspection, cet effort de, enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand on prend l'exemple dans cette affaire-là, moi j'entends aussi quelque chose, c'est que comme tu l'as dit, il y a la réputation, mais cette notion de réputation, cette notion d'aller à la violence pour régler ses affaires, etc., etc. On voit qu'il y a quand même une certaine immaturité affective, émotionnelle, intellectuelle, etc., etc. Donc ce sont vraiment des garçons qui n'ont rien d'autre, qui finalement ils sont complètement construits, sont complètement pris en otage d'une pensée unique, et cette pensée unique vient de leur environnement. Donc ils n'ont pas accès à d'autres femmes, ils n'ont pas accès à cette mixité sociale des hommes dont tu parles, des autres hommes dont tu parles, qui vont aller vers d'autres cultures. Là, c'est vraiment, il y a vraiment un appauvrissement de ce que c'est la femme, de ce que c'est la famille, être dans des rapports où une femme, la femme et la réputation, enfin, et le symbole de la réputation, etc., etc. C'est vraiment qu'ils sont, en fait, ils n'ont aucun code, ils n'ont aucun code social, en fait. Non, mais quoi. Misère sexuelle, misère économique, misère intellectuelle, la misère tout court. Voilà. Ça rassemble la misère. Tout simplement. Exactement. Voilà. Donc, on peut même faire un rapport avec. Pardon. Ah, t'avais pas fini, pardon, ma chérie. Non, je voulais juste terminer ça par là. On peut même faire un rapport. Quelque part avec l'affaire Samuel Paty. Samuel Paty, une élève ne comprend pas bien le discours du prof. Elle va le dire à son père. Son père, il veut pas qu'on parle de je sais pas quoi. Il va aller trouver un terroriste ou je sais pas quoi sur Internet. Mais on est en France. Ouais. Ça veut dire que t'es pas content. C'est simple. Tu rentres dans ton bled. Et dans ton bled, t'es sûr qu'à l'école, on va pas en parler. Ou à l'école, on va pas exposer certaines personnes. Le problème, c'est que c'est des gens qui décident de venir ici en France. Et quand on leur impose, une vision occidentale ou une manière de faire à l'occidentale, ils se braquent et veulent agresser les gens. Reste dans ton bled. Ouais.
T'as pas envie que ta fille, elle se retrouve dans certaines situations. La manière de s'en protéger, c'est de la mettre dans un couvent ou, au pire des cas, tu la mets au bled. Elle va grandir avec plein de filles de son âge qui seront soumises aux mêmes dictats, aux mêmes règles. Et ne t'inquiète pas. C'est qu'à un moment donné, en fait, ces gens-là, ils ont des exigences. Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix? Pourquoi est-ce que cet homme-là, il n'a pas mis sa fille dans une école musulmane, par exemple? Parce qu'il n'a pas les moyens de la mettre dans une école musulmane. Parce qu'une école musulmane en France, c'est 5 à 6 000 euros. Or qu'elle est en maternelle. Hein. T'imagines pour quelqu'un qui paye le bac comment c'est dur une école musulmane? Mais dans l'école publique de la dans l'école de la République, il veut imposer sa vision. Bah, tu n'es pas content, soit tu la mets dans une école musulmane, ou au pire des cas, tu changes de pays. Et il me semble que dans la religion musulmane, il est dit... Alors, ce n'est pas mot pour mot ce que je vais expliquer, mais normalement, vous allez me comprendre. Et j'espère que les filles musulmanes dans les commentaires pourront me rattraper. C'est que si tu, dans l'environnement dans lequel tu vis, ne te permet pas de vivre en respectant du coup ta religion, tu es obligé de changer de pays. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui vont devoir partir, aller vivre dans des pays qui sont musulmans. Mais bizarrement, on observe que beaucoup de musulmans, quand ils font l'immigration, ils ne se dirigent pas forcément dans des pays musulmans. Ils viennent dans des pays occidentaux et dans des pays où il y a des racines chrétiennes. Donc, il y a un moment donné, soit vous êtes là, vous comprenez que voilà, en Occident, il y a des codes, etc. Ça ne vous plaît pas. Vous pouvez rattraper le coup à la maison en dialoguant, mais vous n'êtes pas prêt de dialoguer parce que vous ne savez pas mettre des mots. En fait, vous ne savez pas communiquer. Ouais. Voilà, vous êtes nul en communication. Tout passe par la force, par la violence, etc. Et c'est ce qui vous tue. Donc, vous voulez contraindre les gens de faire comme vous voulez. Bah non, en fait, c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Donc, c'est aux parents d'origine immigrée, et en l'occurrence, les parents africains pour le coup, qui doivent s'adapter à l'environnement de leur enfant. Et non pas l'inverse. On a Monica. Bonsoir, Monica. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que c'est la première fois que je t'entends très bien, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, moi, du coup, je voulais intervenir surtout quand tu disais que, enfin, sur la partie où tu disais qu'il fallait choquer ses parents. Moi, j'ai 19 ans, je suis actuellement à l'université, et je vais un peu parler de mon cas. Donc, moi, j'ai toujours grandi dans une famille où mon grand frère était l'enfant roi. On lui pardonnait tout, et pourtant, il est parti en garde à vue, mais c'était le fils à maman. Et même si ma mère était mariée, elle trouvait en mon frère une figure paternelle. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. Et bon, moi, je me suis jamais vraiment... Enfin, j'ai 2 ans d'écart avec mon frère. J'ai jamais vraiment suivi... Il a toujours essayé de me fliquer. Il a toujours essayé d'avoir ce rapport de domination avec moi, mais ça n'a jamais marché. Mais sur ma sœur, ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'il checkait tout le temps son téléphone, il checkait tout le temps ses messages, etc. Et un jour, ma sœur parlait à un garçon... Normal, c'est une jeune adolescente, elle commence à fréquenter des garçons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mon frère est parti taper le garçon. Et la réaction de ma mère, elle a une réaction... elle s'en foutait, quoi. Elle n'était pas alarmée, elle n'était rien du tout. Et mon frère a fliqué ma sœur comme ça pendant des années et des années. Et aujourd'hui, ma sœur a 16 ans. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur est tombée enceinte. Parce qu'en fait, on l'a tellement fliquée, on a tellement essayé de l'emprisonner qu'elle a fait n'importe quoi. Le manque d'éducation, le fait de fliquer ma sœur comme ça, ça a fait qu'elle est partie dans des extrêmes. Mais je ne vais pas tout raconter ici, mais c'est presque choquant en fait. Et c'est là qu'on voit que déjà le rôle du père, il est effacé. Parce que moi, mon père était présent à la maison. Mais est-ce qu'il était présent dans notre éducation? Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Et en fait, c'est une boucle qui ne se termine jamais. Et pour casser la boucle, comme tu l'as très bien dit, il faut vraiment choquer ses parents. Il faut vraiment choquer ses parents. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours eu des très bons résultats. Et dès que j'ai vu une faille pour partir de mon environnement, je l'ai prise. Dès que je suis passée à l'université, je me suis inscrite sur Parcoursup et j'ai fait exprès de mettre des universités qui étaient assez loin de chez moi. Je viens d'Île-de-France. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je savais que mes parents donneraient tout pour avoir une fille qui va à l'université, qui fait des études prestigieuses, vous savez, c'est ce truc où les parents, ils sont fiers, ils vont raconter et tout, j'ai utilisé ça à mon avantage, je suis partie à l'université et moi, c'est comme ça que j'ai échappé au flicage de mon frère. Mais quand je vous dis qu'il fliquait ma sœur, c'est qu'aujourd'hui, ma sœur est enceinte et il est parti taper le mec qui a enceinté ma sœur. C'est qu'on en arrive encore ici aujourd'hui.
Et vraiment, je suis totalement d'accord sur le... Enfin, je voulais juste intervenir pour dire ça et pour dire à toutes les jeunes filles qui sont dans mon cas, vraiment, choquez vos parents. S'il n'y a que ça qui va marcher, choquez vos parents. Choquez-les. Si vous devez partir, partez. Même si on dit vous êtes le chat noir, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, partez. Mais il faut les choquer. Parce que si vous restez comme ça, donc, si vous restez, si vous acceptez, vous n'allez jamais gagner, en fait. Et dans ce cas-là, on a plus à perdre, nous, que nos parents. Nos parents, ils ont rien à perdre, ils ont déjà fait leur vie. Sauf que nous, on va se trouver dans une boucle et on n'arrivera pas à s'en sortir, en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ma chérie, toi, en fait, dans une autre vie, tu étais ma fille. Et en fait, tu t'es réincarnée dans une autre famille. Mais tu vois, tu es revenue sur mon live et tu as communiqué. Déjà, non, mais tu as tout compris à la vie. Ta petite soeur, elle est enceinte là actuellement? Ma sœur, elle a actuellement 17 ans. Elle est tombée enceinte quand elle avait 16 ans. Là, actuellement, elle est enceinte. Elle est enceinte et tout. Et donc, forcément, elle va garder. Bah, en fait, elle a fait un déni de grossesse. Donc, Ouais. elle l'a su à 7 mois. Donc, c'est trop tard. Ah oui, elle a eu à 7 mois la pauvre. Oh mon Dieu, le traumatisme en plus, le fait de savoir qu'elle a à 7 mois. Non, mais surtout, comment mes parents, ils ont reçu la chose. Ma mère, elle était, bon, vous connaissez les mamans. Ma mère, elle me l'a dit. Elle m'a dit, bon, moi, j'ai pas envie de savoir. Je sais, mais j'ai pas envie de savoir. J'ai dit, maman, en fait, là, faut faire quelque chose. Parce que ta fille, elle est enceinte. S'il se passe un truc, elle est à 7 mois de grossesse. Ma mère, elle voulait se dédouaner. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mon père, il a totalement. Il est chez moi, mais il évite. Il évite totalement. En fait, il fait comme si rien ne s'était passé. Et là, actuellement, ma sœur, elle va accoucher le mois prochain. Mais mes parents, ils sont tellement. Ma mère, là, ça va mieux, elle est un peu plus impliquée. Mais mon père, pas du tout. Pas du tout. Et mon frère est parti de chez moi parce qu'il n'en pouvait plus. Enfin, T'as eu c'est honte. une situation. Voilà quoi. Ton frère, il est parti parce qu'il a eu honte, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait, lui, il s'est dit quoi? Lui, il s'est dit, c'était mon rôle de garder ma sœur. J'ai pas. En fait, c'est ce qu'il nous dit à nous, mais c'est la honte. C'est ça, c'est la honte. Oui, mais dans le cas où ta maman, elle avait éduqué ta petite sœur, par exemple, pour lui parler des relations, de lui dire que voilà, il faut se protéger, comme ci, comme ça, tu vois, sans pour autant lui donner l'autorisation. Mais en fait, il ne faut pas être hypocrite, ça va se passer. Et il y a aussi ce Bah que oui, j'ai bien apprécié. sûr. Ce que j'ai apprécié, c'est lorsque tu as indiqué que quand on flique trop la fille, eh bien celle-ci, bon, au final, elle fait pire au final. Elle est obligée de se Bah, cacher, elle est obligée de mentir, elle est obligée de... mais c'est Donc... ça, mais surtout que tu vois, par exemple, moi j'étais au courant que ma sœur, j'étais au courant, pardon, que ma sœur était active sexuellement très jeune, parce que ma sœur a eu sa puberté très tôt. Et moi, c'est quelque chose, j'ai prévenu ma mère. Je lui ai dit, bon, ma sœur là, elle commence à avoir des rapports et tout, peut-être qu'il faut aller chercher la pilule, peut-être faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, moi, ma mère, c'est une maman africaine, en fait. Ma mère, tu lui parles pas de ça. Tu ne lui parles pas de ça. Parce que ma mère, ça lui faisait mal au crâne. Elle disait, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors que c'est devant ses yeux. Et dans les moments comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Tu peux rien faire. Parce que toi, en tant que grande sœur, tu préviens ta maman, parce que c'est elle qui est censée être la figure maternelle de la famille, celle qui est censée nous donner une éducation sexuelle. Mais elle est. Enfin, elle est. Je sais pas comment expliquer. Et même Ouais, ça, elle est dans le dis-moi, déni, elle prend ses dis ça, distances, blabla. elle veut pas trop s'en mêler, mais au final, regardez les conséquences. C'est ça, Et le excuse-moi, père, il veut j'aimerais pas se juste mêler de ça parce qu'il part du principe où en fait, c'était pas mon taf, c'était à la femme de communiquer avec ses filles. Oui, c'est ça, Moi, la rigueur, exactement. la charge, c'est le fils. C'est J'aimerais ça. juste savoir, il y a combien d'âge d'écart entre toi et ta petite sœur? Moi, j'ai 19 ans. Enfin, moi, je suis. Attends, c'est il y a Il y a 3 ans. 2 ans, 2, 3 ans, c'est ça? Maintenant, entre moi et ma petite sœur, il y a 3 ans. Et entre moi et mon grand frère, il y a 1 an et demi. Ok. Non, Non, mais mais ça c'est prouve encore une ce que fois, je dis. l'immaturité en fait des parents africains. Ils sont pas matures. C'est ça, oui. En fait, c'est limite nous qui les éduquons parfois sur certains sujets, Bah, bien alors qu'ils sûr. sont censés nous donner les cartes pour effectivement, à partir du moment où ta fille t'indique qu'elle est, en plus c'est même pas la fille qui est concernée, c'est ton autre fille qui t'indique. Je pense que ma sœur est sexuellement active. Le premier réflexe, allez hop, gynécologue. Pour mettre en place la pilule, etc., et pour expliquer en fait les risques de cette activité non protégée. Mais effectivement, comme c'est indiqué, politique de l'autruche. Donc en fait, si je ne dis rien, si je ne vois pas, c'est que ça n'existe pas. Mais c'est pas comme ça en fait. Après, pour intervenir, moi, j'ai essayé d'aider ma sœur comme je pouvais, c'est-à-dire que moi,
je l'ai ramené au planning. Enfin, après, il faut savoir que moi, j'habite plus chez mes parents. Mais je l'ai ramené au planning familial. Je lui fournissais des protections, etc. J'ai essayé d'aider ma sœur comme je pouvais. Mais en fait, le manque d'éducation sexuelle, vous voyez, l'éducation, ça se fait petit à petit. Ça se fait pas d'un coup, en fait. C'est pas t'arrives à 16 ans, d'un coup, on commence à tout dire, en fait. C'est vraiment petit à petit. Et moi, bon, je sais que j'ai pas été non plus parfaite, mais j'ai vraiment essayé d'aider ma sœur. Je l'ai ramenée au planning familial, je lui ai dit ça, comment ça fonctionnait, si, ça, mais je suis pas sa mère, en fait. Moi, je suis sa sœur. Et même si je lui ai donné toutes ces cartes-là, elle avait besoin d'une maman. Et c'est ça qui manquait, en fait. C'est ça qui manquait. Malheureusement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça c'est pour ça que la situation là, l'adolescent qui est mort, moi ça me choque même pas parce que je sais que mon frère aurait pu faire la même chose et on lui aurait pardonné ça. Mais ma sœur qui est enceinte, on lui aurait jamais pardonné ça. Pourquoi? L'honneur de la famille, l'honneur de la famille. Et vous voyez cet adolescent qui est mort. Je pense que la fille, elle s'est fait tuer par son frère. Mais en plus, je pense que la maman, ce qu'elle va dire, c'est quoi? Mais non, mais ça aurait jamais arrivé. Si t'étais une fille sage, si t'étais comme ça, ton frère n'aurait jamais fait ça. Et du coup, ça va toujours retomber sur la fille, toujours. Parce que les parents ne vont pas comprendre. Les parents ne vont pas responsabiliser. C'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Moi, quand j'ai dit au départ qu'elle s'est fait taper, ils ont dit non. Moi, je vous dis, elle a reçu des coups. Bien sûr, elle s'est fait taper. Et la famille, aujourd'hui, va la tenir responsable parce qu'ils vont lui dire, mais si tu n'avais pas fait la bip, on n'en serait pas là et tes frères seraient dehors, etc. Par contre, le frère qui a des pratiques, qui a des activités illicites, qui est un dealer, qui fait de la violence en réunion, jamais, en fait, ça ne fait pas un problème, un scandale. À la rigueur, ils crient pour faire semblant qu'ils ont de l'autorité, mais au final, ils n'en ont rien à cirer. D'autant plus que, et surtout si le frère ramène de l'argent au sein du foyer, il y a cette réalité-là. Maintenant, le souci, c'est que moi, je le dis, il faut en parler. Vous voyez bien pourquoi est-ce que je mobilise en l'occurrence des sœurs ou des cousines, pardon. C'est parce que avec le cas de Monica, malheureusement, on est face à une réalité qui est que les parents africains font semblant. Et moi, ma question par rapport à ça, c'est que ta sœur, elle va à l'école ou elle va pas à l'école? Ça se passe comment? Vous voyez, c'est encore le plus gros problème, c'est que là, ma sœur, actuellement, elle a des problèmes de tension, donc elle va pas à l'école. Sauf que, bien sûr, elle doit passer le bac cette année. Donc vous voyez que ça, c'est que si elle n'a pas le bac, déjà mon grand frère n'a pas le bac. Mais bon, ça dérange personne apparemment. Mon grand frère n'a pas le bac. Mais si ma petite sœur n'a pas le bac et en plus elle est enceinte, imaginez la catastrophe. Imaginez la catastrophe. Et du coup, mon conseil, c'est vraiment, alors je sais pas, faudrait voir un médecin, parce que là, elle a 7 mois, c'est ça, il reste encore 2 mois. Ça. Moi, personnellement, je te le dis, conseil, faut qu'elle passe le bac. Hein. Là, si sur le plan physique, c'est très bien, il faut absolument aller voir un médecin qui va voir une gynécologue, quelqu'un, ce que tu veux, qui va lui donner les bons médicaments ou le bon traitement, faut qu'elle passe le bac, elle ait le bac. Comme ça, au moins, elle accouche, le bébé, il est sorti, elle enchaîne directement avec des études supérieures, parce que maintenant elle va devenir mère et qu'elle doit préparer son futur plus que jamais. Donc là, il faut que ta sœur elle puisse passer son bac. Elle bien doit sûr. Absolument passer son bac. Au mois d'avril, normalement, il y a des épreuves qui ont commencé, je pense. Non, je crois que c'est en juin. Elle n'a pas eu des oraux, des choses comme ça? Non, pas encore. Elle a des oraux blancs. Oui, mais elle est en classe de première ou terminale, ta sœur? Elle est en terminale. Ah non, normalement, elle a eu des oraux. Elle fait quoi comme bac? Elle fait un bac STMG, il me semble. Fait un bac STMG. D'accord. Non, mais en fait, je vais t'expliquer. Ta sœur, elle va passer le bac. Il faut absolument qu'elle passe le bac. Attends, blabla. Comme dans ça, les commentaires, au moins, la boucle, elle est bouclée. Parce que être dans des couches et repartir, Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit « Elle peut avoir un aménagement. » Mais en fait, vous ne comprenez pas que dans les familles africaines, la honte, c'est la honte. C'est-à-dire que personne au lycée sait qu'elle est enceinte. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Là, il n'y a personne qui sait qu'elle est enceinte. Au lycée, les gens ne savent pas. Elle s'absente pendant des semaines et personne ne sait qu'elle est enceinte. Parce que ma mère ne veut pas qu'on le dise. Non, il faut que la direction soit au courant parce que les absences vont jouer dans le bac. Bien sûr, elles vont jouer. Ta soeur, à la base, c'est une bonne élève? Ça va. Franchement, ça va. C'est quand même une assez bonne élève. Et surtout que ma soeur, elle voulait aller en médecine. Avec 50 heures d'absence, c'est pas possible.
La compétition, elle est rude. Ah non, mais tu sais que ouais, avec STM, il y a pas de rattrapage, elle est morte déjà. Hein. Donc, il faut que elle. Moi, je pense que ce que tu dois faire absolument, c'est dans le cas où ta mère ne veut pas que ça sache, ma chérie, prends les devants. Je sais que c'est fatigant parce que tu es la grande sœur. C'est pas toi de le faire. Toi, tu as ta fille, tu as ta vie à la fac, etc. Tu n'as pas de soutien, je comprends. Ma chérie, appelle l'école. Va avec ta sœur. Tu demandes un rendez-vous de toute urgence avec la directrice de ton établissement. La directrice de ton établissement va trouver le moyen d'expliquer les absences. Parce que dans le cas où ta soeur va en rattrapage et il s'avère qu'elle a beaucoup d'absence, je peux te garantir qu'ils peuvent la boycotter pour qu'elle puisse obtenir son bac. Donc, bah, bien sûr. Indique à l'école la situation sur le fait que ta soeur est enceinte de 7 mois. Maintenant, qu'on essaye que, pour les 7 mois en question, que ta soeur, elle puisse peut-être faire l'école à la maison ou qu'on lui donne des cours, etc. On trouve une situation. Moi, je te le dis, ma chérie, que ta sœur doit passer le bac. On a Caillissant qui dit « L'aménagement, c'est une aide pour le bac avec un certificat médical. Elle pourra être aidée pour le passer. » Ah, oui, ma chérie, bien sûr. Prends des notes. Bien sûr, bien sûr. Mais là, déjà, j'aide ma sœur. Bah, vu que moi, je suis quand même une assez bonne élève, je l'aide sur toutes les matières. Je lui refais les cours. Dites-vous que je suis partie chercher les cours pour lui refaire les cours. Donc vraiment, si je peux aider ma soeur, je l'aiderai. Blabla, hein. Je peux intervenir. Après, je vais partir. Absolument. Juste, je voulais juste dire un mot. Après, il faut aussi savoir que ta soeur, elle a pris une décision et que malheureusement, elle n'a pas bénéficié d'une certaine éducation. Mais j'estime que quand tu veux avoir des rapports, c'est que tu estimes être, tu veux faire comme les grands, comme on dit. Eh ben, c'est aussi à toi de prendre tes responsabilités. Ta soeur, elle va devoir assumer. Elle va avoir une responsabilité, elle va devoir assumer. Moi, je te dis, aide-la pour le bac et pour qu'elle puisse s'orienter, voir ce qu'elle peut faire après le bac. Parce que se retrouver avec un bébé à porter, à s'occuper, etc., ça va être très compliqué. En plus, elle va accoucher pendant les épreuves. Donc, Nargis, on t'écoute. Moi, je voulais juste terminer et comment dire, c'est vraiment un fléau ce truc. Ce genre d'histoire dans nos communautés, c'est vraiment un fléau parce que c'est un vrai cercle vicieux parce que donc la sœur va avoir son bébé, elle va éduquer son enfant, ça va être quand même compliqué. Je sais pas si le père il est présent et donc elle va inconsciemment elle va reconstruire si elle a pas les soutiens nécessaires pas, elle va reconstruire le même schéma d'éducation qu'elle a reçu. Elle va le reconstruire pour potentiellement son enfant ou sa fille. Je donne juste un exemple comme ça. Moi, j'ai pas grandi en France. Je suis venue faire mes études à l'étranger, etc. On dit je suis Ouest-Af. Moi, je suis mauritanienne, mais j'ai grandi en Tunisie. Mes parents, mon père est diplomate, etc. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir une amie qui a eu un enfant très jeune et avec un garçon qui a fait de la prison. Le garçon est sorti de prison et ils ont toujours un lien ensemble. Et elle me parle de lui et ils ont toujours, comme c'est le père de sa fille, il lui dit, il continue à faire ses conneries. Donc il est toujours dans des affaires de. Alors il est mac, il part faire des expéditions pour aller voler des mecs pour 60 000 euros. Il travaille pas, il ment, etc., etc. Et à un moment je lui dis mais en fait quand il t'appelle pour te raconter tous ces business illégaux, etc., etc. À un moment tu dis pas que tu dois couper avec lui parce que t'as une fille et que lui, il va être que ça va avoir des répercussions sur ta fille, sur son rapport et sa relation, sa vision des hommes après. Et ça, j'ai l'impression que les femmes noires, elles se rendent pas compte de ça en fait. Elles se rendent pas compte qu'à un moment, c'est aussi de leur responsabilité de mettre un holà quand elles sont avec un homme toxique ou une femme toxique, mais là, je vais en parler en matière des hommes, un homme toxique, et que c'est pas vouloir absolument garder une cellule familiale qui est totalement toxique. En fait, c'est mieux que dire à un moment, stop, je t'empêche de voir mon enfant pour le bien de mon enfant parce que je ne veux pas que mon enfant, ma fille ou mon fils, il fait perdurer cette vision toxique de la famille, etc. Ça. Et tout ce que je voulais dire, c'est que c'est un vrai fléau et que un moment aussi, c'est à nous, quand tu dis choquer nos familles, c'est aussi à nous de dire en fait,
La famille, c'est bien, mais quand c'est toxique, en fait, on se barre, quoi, en fait. On fait nos études, on se débrouille, on est en France, il y a des formations, etc. Maintenant, il faut accepter de faire le deuil de sa famille pour pouvoir se barrer et pour pouvoir survivre, en fait. La collectivité, ça va, mais à un moment, quand la collectivité, elle est toxique, et bon, on pense à son individualité, surtout en tant que femme, et on se barre, on coupe avec tout ça. Et ça, je pense que c'est vraiment le fléau. Vraiment les fléaux des familles africaines parce qu'elles sont dans une espèce de dette à vie de la famille, qu'importe que la famille soit toxique ou pas. Et malheureusement, on ne dit pas après, je vais avoir des enfants et que mon enfant, inconsciemment, quand il va baigner dans cet environnement, et ben, il va reproduire le même schéma et ça va perdurer encore et encore et encore et encore. Donc voilà tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai pas Merci, choqué Annie, de. merci infiniment, Nargis. Tu as eu des difficultés, mais en tout cas, ton intervention, elle était vraiment très, très intéressante. Merci pour ta contribution et j'espère que tu auras la possibilité d'intervenir dans d'autres lives, encore une fois. Je ne te lâche plus. Ok, d'accord. Passe une très, très bonne soirée, ma chérie. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Au revoir. On a Aurore Bleu. Bonsoir, Aurore Bleu. Merci pour ta patience, ma chérie. Oléa Sarr, ma chérie, je ne sais pas pourquoi tu ne parviens pas à te connecter. Donc, je sais que tu m'écoutes. Tu as le lien qui a été mis par les modératrices dans les commentaires. Donc, tente de te reconnecter. Salut, Aurore. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, blabla. Bonsoir, les blabla, puncha. Salut, Oléa Sarr, c'est bon, t'es là. On patiente. Je coupe ton micro. On attend que Aurore elle s'exprime. Après, on te donne la parole. Je t'écoute, Aurore. Moi, j'ai une histoire que tu racontes. En fait, On ne t'entend pas très bien, Aurore. On ne t'entend pas très bien, ma chérie. Oh, allô? Oui, là, on t'entend. Allô? Ouais, Ok, on j'ai t'entend. une histoire. L'histoire, en fait, je ne la connais pas. Mais pour moi qui vis en Afrique de l'Ouest, en fait, je pense que c'est un problème systémique parce qu'on a les mêmes problèmes ici. Et dans le pays dans lequel je vis, moi-même, de par ma propre vie, je n'ai pas une éducation sexuelle, je n'ai pas une éducation aux relations hommes-femmes. Et du coup, je suis partie en vrille. Ça a été vraiment une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et bien évidemment, c'est moi qu'on a blâmé, c'est moi qui ai été insultée, c'est moi qui ai été. C'est-à-dire, j'ai été traitée littéralement comme une sous-humaine par mes deux parents, parce que ça a fait un scandale, l'honneur de la famille, la réputation de la famille, j'ai mis la honte à la famille. Et la conséquence de ça, c'est que j'ai traîné, je ne savais pas que j'étais en état dépressif, je ne savais pas, c'est récemment que je l'ai su, j'ai traîné 7 ans de dépression. Je n'arrivais pas à garder un emploi. Ce sont mes activités hors emploi, en fait, qui m'ont permis de tenir. Mes activités hors cadre professionnel strict, c'est ça qui m'a permis de me lever à cause de certaines capacités que j'ai. Mais je peux te dire que ça m'a brisée à tel point que quand j'ai commencé la thérapeute m'a regardée et elle m'a dit, accroche-toi parce que tu vas te prendre 4 ans de thérapie intensive. Et une fois que tu seras mariée, tu vas continuer la thérapie. Là où tu es, il n'y a pas de sexologue. Mais si tu te trouves dans un environnement comme en Europe, il va falloir que tu ailles voir un sexologue. En fait, je n'avais pas mesuré l'ampleur du dégât de la situation à mon niveau, mentalement, émotionnellement, sur le plan de mon corps et tout ça. Tout simplement parce que ma mère a failli, mon père a failli, mais encore plus ma mère. Parce que les propos qu'elle a tenus envers moi, ça m'a tellement blessée que je n'ai pas réussi à me remettre en relation jusqu'à présent. Cette année, j'ai fêté, mais cette année, j'ai eu 30 ans et je n'avais ni la volonté, ni l'état d'esprit de célébrer ce passage de ma vie, de célébrer cette année qui est assez symbolique de ma vie, parce que je faisais le bilan de ma vie et je voyais que je traînais les casseroles des conséquences d'une relation qui a eu lieu en 2015, littéralement. Donc, bon, j'ai eu un grand frère, mais bon, il n'était pas très présent, un père qui voyage beaucoup, mais une mère qui était épouvantable à bien des égards. À bien des égards. Et ce manque d'éducation sexuelle n'a pas joué à ma faveur. J'aurais pu me retrouver dans une situation d'avortement, j'aurais pu me retrouver avec une MST, j'aurais pu. Tellement j'étais complètement déconnectée de ce sujet-là. Pourtant, j'ai fait l'école, j'ai fait l'université. Mais venant d'une famille catholique avec assez radicalisée, ce sujet-là n'a pas été abordé. Et étant l'aînée de ma famille qui devait montrer le bon exemple, je dois dire que le cocktail était assez explosif. Donc aujourd'hui, je me reconstruis. Mais je t'avoue que je ne reste pas dans mon pays. Moi, dès que l'occasion se présente, je me barre, en fait. Ça, au moins, c'est clair. Et ce que tu as dit, je suis parfaitement d'accord. À un moment donné, en tant qu'aîné de famille, littéralement, on nous sacrifie.
parce qu'on doit montrer l'exemple à nos petites sœurs, on doit être celle qui doit faire tout bien comme il faut. Et je me rends compte que toutes mes copines, en fait, qui sont aînées de famille, sont célibataires à 30 ans, 35 ans, parce que c'est elles qui prennent soin de la famille, qui payent la scolarité et autres. Elles sont souvent mères célibataires, parfois elles sont sans enfants, sans, comme moi, sans enfants, sans mari. Et en fait, on attend encore d'elles qu'elles s'assurent que les gens au village, les cousins délinquants et machin, soient à la charge au niveau de leur salaire, elles s'occupent de tout ce beau monde-là. Et du coup, personne ne se pose la question, quand elles vont se marier, juste à un moment donné, on te jette au visage, mais tu es une vieille fille chez nous et il va falloir que tu penses à partir. Bref, c'est pas évident, mais comme quoi, il faut, je veux dire, à un moment donné, il faut partir et puis se donner la chance de se reconstruire ailleurs. Moi, en tout cas, c'est la décision que j'ai prise. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Non, mais il va falloir prendre de la distance, hein, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir choquer. Quand tu prends de la distance, on dit que voilà, ça se fait pas dans nos coutumes, dans l'éducation africaine et tout, la famille c'est important. Bah, ou quand tu prends de la distance, on aime bien aussi dire que tu as un comportement plutôt occidental. Bah, il va falloir avoir ces comportements. Il faut vraiment avoir ces comportements parce qu'il y a des limites, il y a une distance à mettre en place. C'est très important. En tout cas, merci pour ton témoignage, Aurore Bleue, et je te souhaite beaucoup de courage. Et tu peux rester avec nous afin d'interagir, rebondir sur d'autres propos. On a Oléa Sarr. Bonsoir, Oléa. Oléa Sarr, ton micro, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'écouter. C'est aux parents d'assumer les enfants, pas l'inverse. Ah, bah ouais, ben, on aimerait bien. On aimerait bien que ce soit comme ça. Sauf qu'on connaît la capacité qu'ils ont à se déresponsabiliser. C'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts à être parents, la majorité d'entre eux. Ils ne sont pas prêts à assumer d'être parents. Beaucoup aussi font des enfants en pagaille, sans pour autant prendre en considération qu'il va falloir éduquer ces enfants et les éduquer, pas que apprendre à dire bonjour, au revoir, merci, à baisser la tête quand on leur parle fort, à aussi les éduquer sur le plan des relations intimes, sur l'intimité, apprendre à une fille que voilà, c'est tout à fait normal qu'à 15 ans qu'elle s'intéresse à des garçons, de la même manière que c'est normal à un garçon qui s'intéresse aussi en retour. Maintenant, bah voilà, vous avez les hormones, vous êtes des adolescents, faut faire attention, faut aussi se protéger, etc. Non, eux, ils pensent pas à ça, ils s'en foutent. Donc, non, ils sont beaucoup de, ils n'ont pas été prêts pour être parents, c'est la réalité. Oléa? Oui, bonsoir, vous m'entendez? On t'entend très bien, bonsoir. Okay, super, bonsoir. Alors, je voudrais bien intervenir parce que, en fait, bah, plusieurs témoignages ont fait écho, du coup, à mon ancienne situation. Alors, en fait, je vais un peu vous raconter un peu mon histoire et surtout montrer aussi l'importance de vraiment choquer nos parents parce que ça va vraiment servir. Et surtout, ça va servir pour vos frères et sœurs et notamment vos sœurs. Donc, en fait, j'ai grandi du coup dans une famille, du coup, disons Westaf, mais très, on va dire, assez francisée entre guillemets, avec un père présent, une mère présente. Et du jour au lendemain, mon paternel du coup a changé du tout au tout et est devenu beaucoup plus strict, avec une éducation, disons, bah, à l'africaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il s'est mis du coup à être infidèle avec ma mère. Donc c'est pas une infidélité pardon classique. Pour vous expliquer, pour vous donner un exemple, il parlait du coup à cette femme lorsqu'il était dans le lit conjugal avec ma mère. Et ma mère savait très bien que c'était une femme à qui il parlait, etc. Donc ça a été très difficile pour moi, sachant que Donc, attends, attends, juste, je t'interromps là. Donc, ton papa parlait avec sa maîtresse dans le lit conjugal, ta maman était présente. c'est ça, réveillée, elle Donc, n'avait pas. ta maman, elle acceptait que ton père fréquente d'autres femmes, en fait, une autre femme. Pas accepté, pas du tout en fait. C'est qu'il a continué et c'est que ma mère, vous savez, elle a refusé en fait de divorcer ou de faire quoi que ce soit. Mais franchement, c'était des disputes répétitives, c'était insupportable, sachant que notre logement, pardon, on a des murs assez fins, donc les enfants entendaient absolument tout. Donc c'était un peu compliqué cette situation, sachant que même moi, c'est moi qui ai découvert cette relation sur Facebook en étant l'aînée de la famille. Donc c'était un peu une situation assez compliquée. Et suite à ça, il faut savoir que je suis intervenue, j'ai parlé à mon papa,
J'ai crié sur mon papa, j'ai tout fait sur mon papa pour le raisonner, enfin pour qu'il puisse arrêter de faire du mal à notre mère, vous voyez. Sachant que ma mère, elle n'osait pas faire grand-chose à part parler et se disputer. Elle n'osait pas avoir, elle n'osait pas employer quelques actions, tu vois, nécessaires. Donc c'était un peu hyper compliqué, vous voyez. Parce que quand elles sont face aux hommes, elles s'écrasent. Ouais, non, mais c'est ça, c'est comme ça. Et généralement, quand elles s'écrasent face aux hommes, toute la frustration qu'elles ont en elles, elles reversent ça sur les enfants. C'est ça, et puis elle en avait marre, elle savait pas quoi faire. Employer le divorce, c'était impossible, sinon c'était la honte de la famille. Donc c'était un peu compliqué. Donc suite à ça, j'ai réagi maintes et maintes fois. Et on arrive à un moment où clairement, mon paternel m'insulte de tous les noms. J'ose pas employer ces insultes parce que c'est des insultes qui ne se disent pas envers son enfant, sachant que j'ai grandi avec un père hyper aimant. Donc vous voyez un peu le choc de passer voyez, d'une enfant hyper aimée à une enfant presque détestée, quoi, haïe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après ça, clairement, je l'ai choqué et ça l'a fait beaucoup de mal le fait que je l'ai choqué. Il m'a pas parlé pendant exactement 3 ans. 3 ans sans se parler. Et récemment, j'ai eu mon anniversaire, du coup, mon 23e anniversaire. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a envoyé une lettre après 3 ans. Vous voyez? Donc, pour me dire que j'avais raison d'avoir fait, de l'avoir critiqué, de l'avoir crié dessus, qu'il regrettait de m'avoir insulté de tous les noms. Donc, vous voyez, on a essayé de me faire culpabiliser, de ne plus parler à mon père, parce que oui, dans la religion, c'est pas bien, il faut pas couper les ponts, etc. Et ben au final, ça a servi. Parce qu'au final, on m'a donné raison, que j'ai eu raison. Il a fait du mal à notre mère, à notre famille. On en a beaucoup souffert. Et surtout que c'était une période où j'avais énormément besoin de mes parents, où j'entamais mes études supérieures. J'avais pas les moyens de subvenir à mes besoins, sachant que ma mère aussi, elle était au SMIC, femme de ménage. Enfin, ça, c'était très compliqué. Donc, il nous a laissés dans la merde avec des loyers impayés, des dettes. C'était terrible. Donc, voilà, c'est très important de les choquer parce qu'au final, vous verrez, ça va porter ses fruits, ça va... Vous aurez raison à la fin. Les enfants, parfois, ils ont pas tort, ils ont raison. Ils doivent vous dire la vérité, c'est votre devoir d'un côté de dire la vérité. Et même pour vos frères et sœurs, c'est super important. Dans le sens où, une fois que mon père est parti, c'est mon frère qui est devenu l'homme de la maison. Donc, j'ai un peu vu certains mécanismes qu'il a eu envers ma petite sœur. C'est des mécanismes hyper bizarres, hyper autoritaires, alors qu'on ne l'avait jamais vu comme ça. Donc, d'un côté, quand vous vous rebellez, vous donnez l'exemple à vos petites sœurs. Par exemple, lorsque mon frère a essayé de s'imposer auprès de ma sœur, elle arrive à lui dire non, arrête ça, enfin, tes personnes ne m'imposent pas ce que j'ai à faire, je peux me débrouiller toute seule. Et d'un côté, je sens que c'est moi qui lui ai donné cet exemple. Donc franchement, n'hésitez pas à libérer votre parole et à vous imposer, surtout auprès des hommes. Ça Mais au niveau, au niveau, au niveau, désolé, je me permets juste de t'interrompre, au niveau de ton frère, en fait, c'est lui qui a pris le lead tout seul ou c'est ta maman qui l'a encouragé à s'imposer? Ah, ma père l'a absolument pas encouragé. Il l'a pris tout seul, en fait. C'est ça qui... dit que donc, si mon père, il n'est pas là, il n'est plus là, et d'autant plus qu'il avait aussi conscience, connaissance de ce qui se passait, il s'est dit, c'est à moi maintenant de protéger ma famille, quoi. Donc là, pour le cas avec ton frère, tu vois, genre, je suis pas... Je peux comprendre. En fait, je n'excuse pas les comportements qui peuvent parfois être un petit peu déviants, le manque de respect et tout qu'il a pu avoir envers vous. Mais pour ton frère, je peux, en fait, à un moment donné, comprendre dans le sens où, comme ton père, déjà, non seulement il a manifesté des comportements totalement déviants, c'est lui-même qui a été à l'initiative du déséquilibre de sa famille. Mmh. Et qui aussi ternit l'image belle que vous avez de votre famille, à savoir papa, maman, une belle famille, etc. Qui, bien évidemment, comme toutes les familles, peut avoir son problème. Mais c'est vraiment lui qui a perturbé ça. Et donc, quand la figure d'autorité part, ton frère, c'est le seul garçon, ma chérie? Ouais, c'est le... Alors voilà, il s'est dit, je suis le seul garçon, je suis entourée de filles, faut que je puisse... Bah, c'est moi désormais la figure d'autorité.
Et après aussi, dépendamment de où vous pouvez vivre, dépendamment de ses fréquentations, bah, il comprend que peut-être que c'est comme ça aussi que d'autres garçons qui ont des parents, des papas qui sont décédés ou des parents qui sont aussi divorcés, c'est eux aussi qui s'imposent et il s'est dit, bon, bah, moi, il faut que je m'impose pour protéger. Dans ce cas-là, je peux comprendre, tu vois, genre, je peux comprendre un petit peu parce que c'est l'envie de protection, de protéger les femmes de ma famille. C'est bien différent du cas où, en fait, ton frère, il n'avait pas des antécédents avec la justice. Un petit peu, on va dire. Ah, ouais, donc c'est un peu... C'était des mauvaises fréquentations, vous savez, après... Non, mais c'est pas, là, c'est pas le cas de figure des deux frères qui ont tué le garçon, par exemple. Ah non, absolument pas. Voilà. Donc là, ton frère, il l'a fait par mesure de protection. Il voulait protéger les femmes de sa famille, les sœurs et la maman. Après, bon, parce qu'il a subi le déséquilibre qui a été causé par le père. Oui, pardon ? Parce qu'il a subi aussi le déséquilibre qui a été causé par ton père. Ah oui, bien sûr. C'est après, on est partagé entre la mère et le père, surtout que c'est un homme. Enfin, c'est enfin l'attachement qu'il avait envers notre père est très très fort. Donc, dans ce cas-là, oui, j'arrive à comprendre, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que on n'était pas habitué à ce que notre frère ait un peu cette figure hyper protective envers nous, voire un peu. C'est à nous un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était un peu... Ça t'a un petit peu perturbé dans le sens où t'étais pas préparé à ça. On va dire que c'est un événement qui a été fait ou dans lequel toi-même tu t'es imposé pour dire stop parce qu'il y a un moment donné où tu voyais ta maman, on lui manquait de respect. Et forcément, bah, quand dans un foyer on déséquilibre la mère, les enfants ils sont aussi déséquilibrés. Et quand t'as voulu t'interposer, t'as pas voulu que ton père il aille plus loin dans le déséquilibre, dans le fait de déséquilibrer totalement le foyer. Et c'est pour ça qu'il a une réaction qui est très agressive. Parce que surtout le père africain, lui, il attend le soutien de qui ? Le soutien de sa fille. Le père africain, il ne veut même pas le soutien de son fils. Hein. Il veut le soutien de sa fille. Quand c'est sa fille, elle se met contre lui. Pour lui, c'est la plus grosse des trahisons. En fait, ton père, il t'a fait une sorte de Kofi Olomide à Didi Stone. Exactement. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça ce qu'il m'a fait. Et je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'a aimé. Mais... c'est des insultes, mais de malades, en fait. C'est des choses qui vont rester à vie. C'est des mots que je n'oublierai jamais, en fait. Et lorsque j'ai reçu cette lettre, le jour de mon anniversaire, je me suis dit, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas tout fait. Enfin, j'ai pas fait ça pour rien, je me suis pas mis dans la merde pour rien. Enfin, j'ai pas galéré avec l'argent pour rien. Je me suis pas mis à dos certains membres de ma famille pour rien, en fait. C'est que j'avais raison. J'avais raison de m'imposer parce que c'était pas bien ce qu'ils faisaient. Vous voyez, mais après, tu sais, je vais te dire aussi un truc, c'est que tu avais raison, parce qu'en tant qu'enfant, tu vois ta maman souffrir. En fait, dans un foyer, on déstabilise la mère, on déstabilise tout le foyer, en fait. C'est la totale, en fait. Et donc, forcément, ça a joué sur toi aussi. Mais en fait, il y a un moment donné où ça, c'est vos mamans aussi qui doivent prendre leurs responsabilités. Quand tu es dans le lit avec ton mari, il parle. Désolé, hein, sans vouloir manquer de respect à ta maman. Hein. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Des fois, il y a des cas de figure où la fille, elle prend position pour la mère. Un peu comme le cas de Didi Stone. C'est aux femmes aussi de s'imposer par rapport à ça, parce que la maman, elle est censée protéger son enfant. Si on arrive à un niveau où on tolère que dans le lit conjugal, eh bien, la maîtresse, elle soit là. Parce qu'en fait, la maîtresse, elle n'est peut-être pas là physiquement, mais elle partage le lit dans la mesure où il parle au téléphone avec elle. C'est problématique, c'est que le respect, il est mort. Et donc, il y a un moment donné où pour une question de dignité, tu vois, ta maman, elle aurait dû s'imposer aussi. Mais bien sûr que la femme africaine, attachée à son statut d'épouse, elle veut se battre. Elle veut se battre pour son statut. Elle veut même rentrer parfois, même des fois, elle rentre en conflit avec la maîtresse et elle oublie l'équilibre de l'enfant. Or que non, quand tu es dans une situation comme ça, la première chose que l'on protège, c'est les enfants avant tout les enfants. Ce qui fait que c'est aussi déplorable que tu te sois toi-même imposé, tu vois, pour faire en sorte à ce que ton père puisse arrêter. C'est aussi déplorable parce que, mine de rien, mais qu'une enfant, c'est pas toi place. Et ton papa, il te reproche aussi de ne pas être resté à ta place d'enfant. Mais bah, c'est normal, parce que la maman n'a pas pris sa place de femme, elle n'a pas, en fait, dit stop quand il fallait. Donc, tu vois ? Ouais, elle a attendu un an avant de le faire, avant d'entamer une procédure de divorce. Elle a attendu un an dans lequel les enfants, on a été clairement bousillés mentalement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a attendu un an, c'était beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Et ça, je lui ai reproché. Mais voilà, c'est qu'on ne peut rien y faire. Ah, je crois que ça a coupé. Non, c'est ça. Non, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais, non, mais c'est ça. Hein.
Moi, quand je dis faut les chauffer, faut les choquer, je développe pas. Parce mais que ça va aller très vite. Ouais. Non, 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 les choquer, c'est vous, à vous de trouver les méthodes, quelles sont les bonnes méthodes à employer. Moi, je peux vous donner ces méthodes-là, mais vous n'êtes pas prêtes. Et que dans le cas où des filles, elles appliquent mes méthodes, bah, en fait, ça va partir partout que c'est elle qui a dit à sa sœur ou aux filles qui la suivaient d'aller porter plainte, d'aller déposer une main courante, d'aller faire ci. Moi, je dis rien. Vous faites travailler votre cerveau, d'accord? Moi, je dis toujours que il est important aussi, à un moment donné, de faire preuve d'autonomie et d'être capable de réfléchir par soi-même. Raison pour laquelle on n'a pas besoin, il n'est pas obligatoire d'être d'accord sur tout. Faut le comprendre. C'est que qu'on énonce un sujet, sauf que bien évidemment, vous allez le contextualiser, prendre ça en fonction de vos réalités à vous. On n'a pas toutes les réalités. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est pareil. Hein. Je vous dis tout de suite. Mais maintenant, il faut savoir que, il faut savoir qu'il va falloir que vous choquez, absolument. Maintenant, pour revenir sur le cas de ce soir-là et notamment la thématique, c'est qu'une jeune fille de 15 ans qui va être isolée et qui va être exclue de sa propre famille, de son groupe, or qu'on l'a éduquée en lui faisant comprendre que ton groupe, c'est toute ta vie, que sans ton groupe, que tu ne peux pas. 15 ans, c'est quoi ? Une tragédie, deux frères qui sont en prison, la famille totalement détruite. Imaginez aussi parfois l'atmosphère entre les pères, les parents que ça peut avoir, les parents qui vont avoir énormément d'amertume parce que eux aussi, au prendre de leur propre groupe, vont se retrouver humiliés, pointés du doigt. Donc, c'est un désastre total, mais pas un désastre qui a été fait pour sauver l'honneur de la fille ou la famille, non, pour leur propre honneur à eux. Les garçons l'ont fait pour eux. Les garçons l'ont fait pour eux, pour avoir la possibilité de marcher là où ils vivent, la tête haute, de pouvoir aussi, eux, parler. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, hein, c'est que quand tu es dans un contexte dans lequel toi, tu sais que tu es protégé parce que ta sœur ne bouge pas et que les sœurs des autres bougent, c'est limite jouissif pour eux. Ça veut dire qu'ils s'en moquent. Parfois, ils peuvent même chercher à profiter aussi de la situation en essayant d'avoir une intimité à partager avec la sœur d'un tel, un tel, un tel. Ils se moquent, c'est jouissif en fait. Eux aussi aiment bien, on va dire, enterrer un petit peu l'ennemi de cette manière-là. Mais quand c'est toi qui le vis, c'est autre chose. Et ça, ils ne voulaient pas le vivre. Parce qu'eux-mêmes ont entendu des histoires, à mon avis, que la sœur d'un tel a fait ci, la sœur d'un tel a fait ça. Ils le vivent, ils voient les réactions. Ils écoutent, ils entendent ce qui se dit. Ils entendent des blagues où « Ah, moi aussi, t'inquiète pas, bientôt, elle va me faire quelque chose. Je vais la prendre de telle manière, par les cheveux, etc. » Ils entendent ça, les moqueries, les humiliations. Et ça fait mal. Et quand tu es dans ton cadre, dans ton quartier, où tu as envie en plus d'évoluer sur le plan de la hiérarchie par rapport à tes activités, bah, ça fait encore plus mal. Donc, ils l'ont fait pour eux, en fait. Ils l'ont fait pour eux. Ils l'ont fait pour eux. Ils l'ont fait pour eux, c'est tout. Ils ne l'ont pas fait pour elle ou pour les parents. Bon, en même temps, ça va dans le sens des parents, de ce qu'ils veulent aussi. Donc, ils savent très bien que c'est un mal pour un bien, mais ils l'ont fait pour eux dans un premier temps. Alors, on est à 2h30 de live. Les filles, je vous laisse dire un dernier mot. On a déjà Oléa. On t'écoute. Bah, je pense que c'est un peu tout pour moi. Après, bon, c'est vrai que j'ai raconté ça par rapport à mon frère qui avait un comportement, je trouve, qui est un peu limite inquiétant envers ma petite sœur. Mais bon, après, vous m'avez assez rassurée là-dessus. Je pense que c'est surtout un mécanisme de protection. Donc, ouais, franchement, je pense que ça va être tout pour moi. Merci beaucoup, ma chérie. Bah, écoute, bon courage pour la suite. T'es Merci. Étudiante, c'est ça ? Oui. Donc, poursuis tes études bien comme il faut, encadre, ah oui. Encourage ta sœur à donner le meilleur d'elle-même, regarde un petit peu ses comportements, toi, éduque-toi et conseille aussi beaucoup ta petite sœur, tu vois, ouvre le dialogue avec elle, comme ça, s'il se passe quelque chose, elle viendra te le dire, parce qu'elle a confiance en toi, tu vois, ouais. C'est important. Donc, et cette attitude-là. D'accord. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Rosa. Moi, par rapport, donc, pour revenir quand même au sujet initial, le conseil que j'ai, c'est en fait, comme j'ai dit, à Rome, on fait comme les Romains. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu aussi, peut-être, je sais pas, se mettre dans la peau d'un sociologue, ethnologue, anthropologue, vous choisissez ce que vous voulez, et voir comment, en fait, les gens, les autochtones, les Français, font sur le territoire. On le voit, il y a eu plein de films, je ne sais pas si tu te souviens du film LOL, qui parle, en fait, des premiers émois d'une adolescente, etc. C'est naturel, c'est normal, à 15 ans, de commencer à avoir les premiers balbutiements, de commencer à avoir des émois par rapport aux garçons. C'est à nous aussi d'encadrer, parce qu'il faut, enfin, c'est vraiment, parce qu'on se sait dans l'éducation africaine, c'est
indication d'hypocrisie. C'est une indication d'hypocrisie. Limite, ta mère, c'est la Vierge Marie. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, tout est arrivé, mais on ne sait pas comment. Alors qu'en fait, il est important d'expliquer parce que, étant donné que nous sommes quand même des êtres curieux, si on ne l'apprend pas par nos pères, P-A-I-R-S, on l'apprendra nous-mêmes. Et ça peut engendrer, voilà, malheureusement, des histoires comme la jeune fille qui indique que sa sœur est tombée enceinte, etc. Alors qu'on ne doit pas condamner le fait qu'elle soit tombée enceinte, on ne doit pas condamner ceci, on doit condamner, en fait, et en fait, on ne doit pas condamner cette personne-là, on doit condamner nous, parents, ou nous, aînés, pour ne pas avoir accompagné cette jeune fille en lui disant, écoute, ta sexualité est normale, on va t'accompagner dans ça, même si c'est choquant pour beaucoup, parce qu'il y a le puritanisme, la religiosité, il faut rester pur pour le mariage, il faut rester ceci, cela. Mais toutes ces notions-là, j'ai l'impression qu'elles ne sont plus trop aussi en adéquation avec notre modernité, parce que il y a 2000 ans, les moyens de contraception n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc peut-être qu'effectivement, marteler le fait de se dire il faut que vous soyez vierge jusque dans le mariage parce que ça permet d'assurer en fait déjà un, s'assurer que l'enfant est bien du père puisque normalement si t'es parié à ce monsieur c'est que c'est son enfant et puis surtout que voilà, qu'il y aura quelqu'un pour aider cette jeune femme à élever l'enfant. Mais aujourd'hui nous au 21e siècle en 2024 on a des moyens de contraception. Et enfin, on est en droit de les utiliser, quoi. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Et puis après, je suis d'accord avec toi. En même temps, les parents aujourd'hui, je te jure, tu sais qu'il y a plein de mamans qui comprennent que elles ont des attentes pour leurs filles parce qu'elles ont des croyances, etc. Mais en fait, elles vont s'adapter à la société, il va avoir un langage, un discours qui va faire en sorte encourager même la fille, elle aura envie de le faire elle-même, d'attendre la bonne personne, tu vois, et de pas perdre forcément sa virginité à l'âge de 15 ans. 15 ans, c'est jeune quand même, je trouve, en toute sincérité. Non, je suis totalement d'accord. Il y a des mamans. Moi, je pense que en fait, si tu veux que ta fille se comporte d'une telle manière, mais adapte-toi à son environnement, à sa jeunesse. Il y a des mamans, elles ouvrent tellement le dialogue avec leur fille, elles les conseillent, elles passent du temps avec leur fille. Enfin, la mère africaine ne passe pas de temps avec sa fille. C'est vrai. Et tu passes du temps avec leur fille, elles vont faire du shopping, elles vont acheter ci, elles vont manger en tête à tête, la fille, elle se confie, elle parle, la maman et tout, elle peut, tu vois, dire ce qu'elle a à dire. Il y a une atmosphère de confiance qui fait que la fille, en fait, elle est à l'aise. Et en fait, au final, tellement c'est pas un interdit pour elle, limite, pourquoi est-ce que je vais le faire? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est un interdit pour moi qu'au final, pourquoi est-ce que je vais me lancer là-dedans? Non, je peux faire prendre mon temps. J'ai la capacité. Et en même temps, si je rencontre un garçon, bah maman, regarde, je parle avec un garçon, il est comme ci, comme ça. Ta mère, elle donne des petits conseils, tu vois. C'est ta relation avec ta fille, en fait. Mm. Sauf que pour eux, avoir une relation comme ça, c'est imposer le manque de respect. Ils sont tellement diminués, même dans les sociétés, que l'enfant, c'est eux, ils peuvent. C'est les seules personnes avec lesquelles ils peuvent exercer une certaine force. C'est les enfants, et par ce lien de subordination, tu vois, le lien de parents-enfants. Et pour eux, en gros, c'est un manque de respect, quoi. C'est se tuer de le faire. En fait, il y a un moment donné où je suis désolée, en fait, il y a des filles, si elles doivent perdre leur virginité à 16 ans, elles le feront. Et il y a des filles qui prendra plus de temps. Voilées, pas voilées. Il y en a d'autres, ce sera après le mariage, c'est comme ça. Mais en tout cas, dépendamment de ce qu'ils veulent pour leurs enfants, bah, accompagnez-les, en fait, tu vois. Accompagner-les. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que justement, le jeune homme, parce que j'ai lu entre-temps d'autres articles de journaux, ils indiquaient que voilà, la tante indique que ce jeune homme était quelqu'un d'extrêmement discret et de secret. Moi, ça me choque à 15 ans d'être. Enfin, je me dis, voilà, c'est encore une fois, vous voyez, cette éducation du secret, du tabou. Donc, en façade, il est très jovial. Si tu regardes un petit peu les différents portraits, c'est un jeune homme très jovial, très, très rigolo, etc. etc. Mais on vit une vie parallèle entre nos parents et soi. On ne peut pas raconter nos déboires de ce qui s'est passé au lycée, de ce qui s'est passé au collège. Même parfois, tu as envie de raconter à tes parents, tu sais, maman ou papa, il s'est passé de ça à mon collège, etc. Mais en fait, tu gardes tout. Et finalement, ton adolescence, ton éducation, tu la vis dans un entre-soi, puisque tu la vis avec toi et à la limite avec tes amis de l'extérieur. Mais tes parents ne sont jamais au courant. Bien évidemment, ils ont cette idée enjolivée de mon enfant, il est parfait, il est gentil, etc. Et puis, ils tombent des nues quand un jour, on les appelle pour leur dire « Venez chercher votre enfant au commissariat ».
Donc, il faut que maintenant, il y ait un. Il faut que les parents africains, effectivement, arrêtent de voir leurs enfants comme un objet, mais plus comme un sujet, commencent à apprendre à lier des liens autres que de subordination, d'amitié, etc. Tout le monde n'aura pas cette chance-là, mais il faut effectivement éviter ça, parce que ça aurait pu être évité si ce jeune homme, il avait dit, tiens, il était rentré à la maison, il a dit, papa, j'ai peur. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, j'ai parlé avec une fille et là je vois ses frères sont en train de me menacer. Parce que le problème c'est quoi? C'est que ils l'ont menacé, mais après lui il a fait le malin en disant oh voilà ils m'ont menacé mais il s'est rien passé. C'est pour ça qu'ils sont revenus et cette fois-ci il a trouvé la mort. Mais s'il avait eu la capacité de dire à ses parents voilà je crois que je pense que la situation, je sais pas si c'est une situation qui est grave, parce qu'on peut se dire parfois c'est des gamineries d'enfants. Ouais, mais encore une fois t'as totalement raison, vraiment ton dernier point super intéressant, parce que toi-même tu dis que le garçon aurait pu en parler à son père, mais le garçon lui-même d'origine maghrébine, peut-être le papa lui-même qui a grandi en quartier. Mon fils 15 ans, tu parles avec la sœur de quelqu'un, c'est interdit, parce que lui aussi il a intégré les codes de la rue. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça reste un garçon. Il n'aurait pas eu la conséquence de la fille. Mais c'est compliqué pour un jeune garçon maghrébin et de confession musulmane aussi d'aller voir son père et de dire « Papa, je parle avec une fille. » Tu vois? À la rigueur, il peut le dire avec sa mère. Sa mère va le protéger. Mais encore une fois, une maman qui s'impose face à des adolescents violents, compliqué. Parce que c'est soit ils peuvent... Bon, le fait d'avoir une maman, ça peut aussi contraindre les garçons de ne pas, tu vois, faire preuve de violence et tout. Comme ça peut faire le contraire aussi, tu vois. Tu sais pas qui t'as en face de toi. Donc, il y a aussi le fait que du coup, de son côté, au garçon aussi, parce qu'il est connu pour être un garçon qui n'est pas connu des services de police et tout, donc on a plutôt le profit d'un garçon assez gentil. Oui, c'est ce qui est dit. C'est compliqué pour lui aussi d'aller en discuter. Oui, tu mais... vois, c'est pour ça qu'en fait je tiens à insister sur le fait que la banalisation de la violence à l'extérieur fait qu'aujourd'hui, tu vois, toi ou moi, ou je sais pas, nous on est dans un quartier, il y a quelqu'un qui nous menace, il dit ouais je vais te casser ta figure nanana, ça ne te choque même pas, tu vois ce que je veux dire, ça ne t'effraie pas, tu te dis pas ah tiens c'est une menace que je dois prendre au sérieux. Et je pense que ce jeune homme là, comme je t'ai expliqué, il n'a pas pris ça au sérieux parce qu'il sait qu'il y a ce rapport de force qui est dans la cité où il faut faire le coq, faut se montrer, etc. Donc lui aussi il a voulu faire aussi le coq, mais sauf que malheureusement il est tombé sur des gens que eux ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensaient, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que si il avait eu la chance quand il est rentré dans son foyer de se dire bon je sais pas si c'est grave ou non mais j'en parle à des adultes pour désamorcer la situation, tu vois ce que je veux dire ou pas, eh bien peut-être qu'aujourd'hui cet enfant serait en vie, tu vois. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que on banalise tout dans notre communauté, tout est banalisé, les violences faites aux femmes sont banalisées, les violences entre frères ou je sais pas quoi sont banalisées. Enfin, au bout d'un moment, il faut qu'on remette au cœur des relations le respect. Voilà, le respect, l'humanité, etc. Parce que si ce jeune homme avait l'occasion de pouvoir parler de sa vie quotidienne avec sa famille, eh bien, il aurait pu peut-être dire que je ne sais pas si c'est grave ou non. C'est ça le truc, je ne sais pas si c'est grave ou non, mais je tiens à vous le signaler pour que vous me protégiez finalement. Mais lui s'est dit, bah non, je suis seul face à moi-même, face à ces histoires de gamins. En plus de ça, peut-être que s'il en avait parlé à ses parents ont dit, écoute, tu me fatigues là, avec tes histoires de gamins, moi, ça ne m'intéresse pas, vos amourettes d'adolescents, là. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a un huis clos qui se crée. Parfois, tu es seul face à la violence de tes pères, parce qu'on peut être très violent aussi. Ça s'est vu, hein. Les jeunes hommes, ils avaient 17 ans, le plus grand en avait 20. La jeune fille en a 15, et parfois, en tout cas en cité, c'est un peu chaud. Niveau violence, c'est vraiment... Moi, j'ai vu des trucs, je me dis, mais attends, on est où, là? On est à Rio, dans les favelas, je sais pas, enfin... Donc, c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête aussi de banaliser la violence quand il y a un problème. La violence est présente de plus en plus, et de toute façon, ça, il va falloir que c'est les... Tu sais, quand c'est des adolescents, moi, je pense qu'il y a un moment donné où, en fait, c'est vraiment les parents de prendre leurs responsabilités. C'est comme une jeune petite fille qui s'est fait agresser aussi à l'âge de 14 ans. Elle a été dans le coma, Dieu merci, elle en est sortie. Mais en fait, il y a un problème, c'est que c'est les parents aussi qui doivent gérer leurs enfants. Et on est dans des foyers
plus, en tout cas pour les Noirs, où déjà l'éducation est violente et les enfants, des fois, sont tellement ostracisés, ils ont tellement la possibilité, l'incapacité de se communiquer que tout ressort dehors, en fait. Et ça fait qu'ils vont prendre pour bouc émissaire pas mal de personnes. Bon, la petite fille qui s'est fait agresser, c'est une autre fille maghrébine aussi, comme elle. C'est pas une fille noire. Mais ça n'empêche qu'il y a la violence qui est présente au sein de ces foyers-là et c'est problématique. En tout cas, merci Rosa pour ta participation, pour ta contribution, comme pas d'habitude, la qualité, okay. Toujours au top. Merci. À bientôt. Eh bien, les personnes, merci pour votre participation. Écoutez, j'ai estimé que c'était plutôt intéressant de traiter cette thématique. Donc, merci à toutes les intervenantes. Merci aussi pour les femmes qui ont fait part de leur témoignage. Vraiment, c'est dommage pour ce jeune garçon-là. Que son âme repose en paix. Pour la jeune fille de 15 ans aussi, c'est dommage. Pour les garçons aussi, c'est dommage parce que bah ils ont perdu leur vie au final. Tu as 17 ans, tu as 20 ans, tu commences à vivre, tu commences à découvrir pas mal de choses et au final, ça se passera derrière les barreaux pour eux. En tout cas, je vous fais de très, très gros bisous. On va se retrouver très prochainement, très, très, très prochainement pour une prochaine thématique. Je pense peut-être même demain à la même heure. Peut-être même que je vais commencer un peu à l'avance, je ne sais pas. Vous serez prévenus de toute façon demain. Donc, ne vous inquiétez pas, on va continuer. Merci pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne fête de l'Aïd à vous toutes qui ont fait justement le Ramadan. Vous avez réussi, félicitations. Bye bye.